continue de le faire. Désolé. Sucré en bas. Si sucré en bas. C'est pas vrai. C'est une blague. Tu veux dire que c'est moi qui ai... ces beaux habits? Chérie, c'est pas vrai. Ce n'est pas une mèche indienne, ça? C'est une mèche indienne, n'est-ce pas? Sérieux? Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma puce, j'ai acheté ces trucs pour toi car tu dois être superbe. Assez belle pour me faire beaucoup d'argent. Et ça me va. Je veux bien comprendre. Attends, c'est cette chose que tu viens de dire à voix basse? Je préfère qu'on s'entende. Tu veux que moi, Rebecca, je gagne de l'argent pour toi? Ce sont les dollars que je vais apporter. Je te le jure, Rebecca va te... Je te fais confiance. Hein? Je te fais confiance. Rebecca va te ramener du pognon. Écoute-moi très bien. Le jeu a complètement changé. Maintenant, t'es en ville, meuf. Et pour avoir de l'argent, des mecs de la ville qui ont tant de fric, tu dois... être belle. Suffisamment belle pour avoir ces mecs qui vont taper tes fesses et te donner de l'argent. Hein? Est-ce que tu comprends? Je peux demander... Nous ne sommes pas au village, meuf. Ok. Nous ne sommes pas au village où tu baises et on te donne des miettes. Okay. On te baise. Puis on te donne des miettes, tu viens me les donner. Le tonnerre va te frapper. Ça ne va pas me frapper. Je suis rusée. Donc... je suis rusée. Après avoir dit ça, la balle est dans ton camp. Écoute... tu dois me rapporter du fric. Comme tu me vois là. Je connais toutes les positions. Ok. Ta façon de marcher là, ta façon de faire là. Ouais, meuf. Tes mimiques. Ouais. Je vais les faire. Ouh. Je suis à ton service. T'as intérêt. Tu vois, si je vois la mallette d'un blanc, d'un homme blanc. Prends tout l'argent et viens me donner. Je vais prendre son argent. Je ne veux pas cet argent pour rien. Quelqu'un qui bosse sûr ne jette pas l'argent. Je ne blague pas avec ça. En fait, hein, je vais construire une maison avec mon corps. Très sage décision. Je vais construire. T'es une putain de pétasse. Je vais construire une maison avec mon corps. On est là pour se faire du fric, meuf. Prends ça et va te changer. Je vais me changer. Va te changer et viens me montrer. Sucré en bas. Lâchette sucrée. Sucré en bas. Ouais. Je suis sucrée en bas. Très ambitieuse. Sucrée en bas. J'aurai de l'argent plus que toi. Sois ambitieuse, ma chérie. J'aurai de l'argent plus que toi. Tu vas voir. J'ai décidé, hein. Meuf, j'ai très hâte. D'accord. Allez, bébé. T'as vu ça? Où l'as-tu trouvé? Je suis curieux. Laisse tomber. C'est une très longue histoire. Celle-là, c'est une très longue histoire. Et je ne veux pas vraiment en parler. Cependant... j'aimerais que tu fasses un truc. Tout ce que tu voudras, bébé. Je veux que tu lui apprennes à conduire. Le plus tôt possible. Tu peux faire ça pour moi? Bien sûr que je le ferai. Tout ce que tu voudras. T'es trop chou. Tu es très belle. Hein? Hey, meuf, je compte sur ton cul. Hey! Allons-y, ouvre la portière, non? Ouvre la portière, non? On ne part plus? Ça veut dire quoi, ces conneries? Pourquoi t'es habillée comme une prostituée? Mais je suis une prostituée, tu le sais, tu sais que c'est ce que je fais. Est-ce que tu sais même qu'on va à Nara pour conduire et pas pour une fête? Mon cher, selon Jessica, ta petite amie, elle a dit que je dois toujours m'habiller classe. Hein? Ne suis-je pas classe? Hein? Tu sais qui je vais rencontrer en route? Tu sais qui va tomber amoureux de moi? Hein? Rebecca. Oui, bébé. Qu'est-ce qu'il y a de classe sur cet habillement que tu as mis? Ne m'insulte pas, oh. Tu veux m'empêcher de briller? Tu es un sorcier? Donc je ne suis pas classe? N'est-ce pas ta copine qui a acheté ses habits? Et même ses chaussures? Et ses mèches? Je ne suis pas classe? Ne m'empêche pas de briller. Pardon, ouvre la portière. Écoute, pour ton information, hein, si tu n'entres pas là-bas pour mettre quelque chose de raisonnable, je ne bougerai pas d'un pouce. C'est quoi ces foutaises? S'habiller comme une vulgaire prostituée. Attends, on ne peut plus jouer avec toi. T'es grinche tout le temps. Je n'ai pas de temps, hein. Donc si je vais m'habiller maintenant, on y va? Foutaise. Regarde à quoi elle ressemble. Classe mon cul. Tu es fou? Non, non, non.
Je n'ai pas dit que tu es fou, tu es le copain de ma patronne. Mais ne t'avise pas de m'insulter. Si tu m'insultes, je vais aussi t'insulter. N'importe quoi. Que j'entre? Foutaise, va à l'intérieur te changer, idiote. Tu te crois beau, tu es laid. Je te dis ça, tu n'es pas beau. Elle te supporte seulement si tu ne sais pas. J'arrive, attends-moi. Je reviens dans 5 minutes. Je vais me changer. J'arrive, pardon, attends-moi. Oui. Je t'assure qu'on s'est bien amusé. Oui, t'es pas sérieux. Bonjour, madame. Oui. S'il vous plaît, êtes-vous madame Lovette? C'est toi, Cynthia? Oui, madame. Oh, allez, entre. Merci. Entre. Ok, ma. T'es vraiment mignonne. Merci, madame. Ah, elle a un beau cul. Elle a une belle poitrine. Tout ça pour toi seule. Tourne-toi, vas-y, tourne-toi. Waouh, ça, c'est l'investissement. Waouh! Hey! Voilà, elle est arrivée. Elle est arrivée, mon investissement est là. Ah! Je t'attendais, ma puce. Va à l'intérieur, rafraîchis-toi, j'ai une affaire pour toi. Waouh! Ok, madame, merci. Sois la bienvenue, ma puce. Je suis tellement heureuse. Mon Dieu, je suis aux anges. Mon pognon est arrivé. Oh, mon Dieu, super. Maman des mamas. La seule maman, tu es la seule. La plus belle. Papa. Mes filles. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? J'étais fâchée. Depuis 2 jours, je ne vois aucune d'entre vous. Maman, où étiez-vous passée? Maman, rien ne s'est passé. Nous sommes là. On voulait d'abord prendre le cash avant de rentrer. Oh, non? On devait tout ramasser. Je t'assure, pas confiance. J'espère que vous avez ramené toute la somme de là-bas parce que maman. J'ai parlé avec Chairman et il m'a dit le montant qu'il maman. Vous a ramené. Maman, nous sommes tes filles. Tu es censée connaître tes filles, non? Nous ne sommes pas malhonnêtes. Ah, allez, montrez-moi que je vois. Pardon, maman. Maman, dis mon nom. Maman, dis mon nom. Ah, je ne vais appeler le nom de personne. Hey. Sortez d'abord le fric, c'est tout ce que maman, je veux voir. On est dit ça. Le fric d'abord. Donnez-moi maman, d'abord tout le fric. Oh. Maman. Tu vois, tes filles ont bien bossé. Maman. Je peux avoir ta part. Voilà exactement ce que j'attends de vous. Attendez. Voilà pour toi. Ça, c'est ma maman. Maman, t'es trop top. T'es la meilleure. La meilleure. Maman. Voilà ta part. Oh. Je suis impatiente. Je ne tiens plus en place. Maman. 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 Oh. Hey. Oh. Tout ça pour moi. Maman, tu maman. Allez, les filles, calmez-vous. J'espère que vous êtes contentes. Maman, je suis plus que contente. Tu ne sais maman. Pas ce que tu m'as fait. Nous sommes très contentes. L'argent. Contente. Vous en êtes sûre? Oh. Maman, nous sommes très contentes. Maman, maman, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Maman. Je suis très contente. Vous avez fait votre boulot à la perfection. Vous savez quoi? Allons à l'intérieur, mangez, douchez-vous. Parce que j'ai une grosse affaire pour vous trois. Maman, la grande reine. Maman de maman. Maman, et confiance. Confiance. Je suis la meilleure. Les affaires sont très bonnes. Oui, je suis contente. Lovette, que se passe-t-il? Chima, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. Lovette, je veux mieux te connaître. La vérité est que j'ai des soupçons sur toi. Oui, j'en ai. C'est juste que je n'arrive pas à me retrouver. Lovette, qui sont ces filles? Que font-elles pour toi? Qui sont-elles? Ces filles, ce sont mes amies. Tes amies, mon œil?
Écoute, je sais reconnaître un ami quand j'en vois un. Ces filles qui viennent juste passer là ne sont pas tes amies. Regarde-les, c'est pas tes égales. Hein? Regarde-les. Sans santé, tes égales. Écoute, en ce qui me concerne, je pense que ces filles, tu les vends à des hommes. J'ai ma santé de parents dans ta tête. Tu veux que je te renvoie au village, dis-moi. Après tous les gars comme toi ne sont pas censés vivre avec leur sœur. Ils se battent. Ils gagnent leur propre argent et ils vont louer leur maison. Ne t'éloigne pas du sujet. Ne t'éloigne pas du sujet. Ne me distrais pas. Tout ce que je te dis, c'est que tu dois arrêter ce sale business. Arrête-le. Ce business que tu fais, parce que il n'y a pas de différence entre une même querelle et un ritualiste. Les criminels, c'est ce qu'ils sont. Donc arrête ça, s'il te plaît. C'est ce que je dis. Hé hé. Chima, écoute, laisse-moi te dire. Ce n'est pas dans ma maison que tu vas faire ces bêtises. Je te préviens. Fais tes bagages et sors de chez moi. Ce n'est pas à toi de me dire comment mener ma vie dans ma propre maison. De plus, des hommes comme toi ne se mêlent pas des histoires des femmes. C'est quoi ton problème? Vu que tu as ton propre pognon, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas louer ta propre maison? Chima, ne m'énerve pas. Ne m'énerve pas dans cette maison. Tu ne viendras pas gâter mon business. S'il te plaît, c'est mon business là-bas. C'est mon business là-bas. Ne viens pas tout gâter. Je te préviens. Je t'avertis comme tu es entré là-dedans. Bienvenue, ma puce. Merci. Oui, je te souhaite la bienvenue. Et une fois de plus, je te souhaite la bienvenue et je te félicite d'avoir pris cette décision cruciale. Merci beaucoup, madame. Vois-tu, le Nigeria est un pays où nous avons beaucoup de riches jeunes hommes. Des gars qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent sur des femmes et surtout des vrais hommes. Vois-tu, quand tu es professionnel dans ce que tu fais, tu vas décaisser. Eh oui, tu ne sauras pas ce que c'est que la pauvreté. Tu comprends ce que je te dis? Donc, tu dois être super performante et aussi être prête à tout temps. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as les loulous, tu as l'officier. Tu as tout ce qu'il faut pour les avoir. Oh oui. Donc, tu sais de quoi je parle. Tu utilises ce que ta maman t'a donné pour les avoir. Utilise ce que tu as pour avoir ce que tu veux. Merci beaucoup, madame. Eh bien, après avoir bien réfléchi, j'en viens à la conclusion que il est vraiment mieux d'utiliser ce que j'ai pour avoir ce que je veux. Au lieu de passer le temps à coucher avec ces soi-disant petits amis, qui finiront par ne rien me donner. Au contraire, ils prendront encore plus chez moi. Je préfère utiliser ce que j'ai pour obtenir ce que je veux des mecs, qui savent ce que c'est que d'avoir une femme comme moi. Vois-tu, tous ces hommes qui sont prêts à dépenser sur leurs meufs. Au moins là, je pourrais être utile à moi-même ainsi qu'à ma famille. Voilà qui est bien dit. Maintenant, tu me comprends. La prochaine fois, nous allons discuter des termes et des conditions. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que je ne joue pas avec mon pourcentage. Oh oui, je ne joue pas avec mon pourcentage. D'accord. Mon instinct me conduit. Mon instinct me guide toujours. Et qu'est-ce que l'instinct de mon bébé lui dit cette fois? Trouves-tu Rebecca attirante? Rebecca attirante? Comment? Que veux-tu dire par comment? Veux-tu me dire que tu ne sais plus ce que c'est que d'être attiré par quelqu'un? Arrête ça, bébé. Voyons, je sais ce que tu as en tête, ok?
Mais crois-moi, je ne joue pas. Je ne peux pas te tromper. Tu devrais le savoir. Je suis le seul homme de ta vie. Tu devrais déjà me connaître. C'est vrai, ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tous les deux vous forniquez. Je ne joue pas, bébé. Tu es tout ce que je veux. Tu es tout ce que j'ai et plus encore. Alors, pourquoi devrais-je te coquifier avec Rebecca? Pour quelle raison? Elle n'est pas classe comme toi. Tu le sais bien, bébé. Tu le sais bien. Ok. Je te crois. Merci. J'aimerais que tu saches que si finalement tout ce que tu viens de dire sont des foutus mensonges, je te niquerai très mal. Oui, bébé, je sais tout ça. Écoute-moi, si c'est ton rêve le plus fou, il ne se réalisera pas. Ok, je suis clean. Mmh. Ok. Mmh. Allez, arrête, bébé, tu me fais déjà peur, là. Ok. D'accord. Ouais, bébé. T'es superbe. Jessica, je ne vais pas te mentir, mes filles me rapportent vraiment beaucoup en m'apportant du fric. Et toi alors?
Dis-moi. J'ai bien une fille. Cependant, j'aimerais bien avoir une Camerounaise un peu comme toi. Écoute, ces Camerounaises, elles maîtrisent très bien le jeu. T'es sérieuse? Mes filles. Ces filles me rendent super heureuse chaque jour. Non, mais sérieux. Ouais. Ok, alors j'en veux aussi. Tu dois me trouver des filles. Qu'en penses-tu? T'es ma sœur, voyons. Ah! Jessica, je ne sais pas ce que tu veux faire avec toutes ces nanas, sérieux. Ouais, je ne sais pas. Sérieuse, là? Tu plaisantes, j'espère. Ma puce, j'ai besoin d'autant de meufs, comme tu le sais bien. Comme tu le sais, je ne travaille pas depuis. Udo doit d'abord me lâcher. Je suis coincée ici. Que vais-je faire? Rien. Oui. Udo, je ne crois pas qu'il te cherche encore. Parce que j'ai remarqué ces derniers temps qu'il ne m'appelle plus comme avant, oui. Je te dis la vérité. Attends. Peut-être qu'il a oublié cette histoire. Tu vois ce qui s'est passé la dernière fois. Les documents et tout le reste. Ah. Oui. Je l'espère qu'il oublie tout ça. Cette histoire a déjà tellement mille ans. Qu'il oublie pour que je sois libre de sortir à nouveau. Ne t'inquiète pas, tu sais quoi? Quoi? Je vais contacter ces filles qui m'ont présenté ces Camerounaises. Ok. Oui, ces Camerounaises. J'allais oublier. Dis-moi, comment va ta mère? Lui as-tu rendu visite? Récemment? Tu dis quoi? Mère? C'est la cigarette où tu fumes autre chose. Comment tu passes tes Camerounaises au sujet de maman? Je ne comprends pas. Est-ce que tu vas bien? Bois ton vin et fume ta cigarette. Jessica! Maman. Tu manques quoi dire? En plus, Jessica. Quelqu'un qui va mourir. Une femme dont j'attends qu'on fasse la mort pour me préparer à faire le deuil. Va chercher ta mère. Tu ferais mieux d'aller voir cette femme. Va la voir, toi. Tu ferais mieux d'aller voir cette femme. Jessica, va rendre visite à ta mère, que cette femme ne meure pas comme ça. La seule chose que j'attends, ce n'est que sa mort. Dès qu'elle meurt, on s'en va au village et on fait le nécessaire, ok? Obiageli, viens ici. Tiens-toi ici.
J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Parce que cette maison ne pourra nous contenir tous les deux. J'espère que je parle à un être humain. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, pense ce que tu veux. Ce ne sont pas mes affaires. Je m'en fiche. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en fiche. Et c'est à moi que tu parles? Oui. Papa, ne pense plus jamais à me frapper dans cette condition ou pour n'importe quelle autre raison d'ailleurs. Toi-même, tu n'es pas un saint. Tu penses que je ne suis pas au courant de ton histoire avec Rebecca? Hein? Tu crois que j'ignore ta relation avec Rebecca? Le fait d'avoir choisi de me taire jusqu'ici ne fait pas de moi une conne. Moi au moins, j'ai conçu mon enfant avec un homme raisonnable. Toi par contre, tu as vendu le seul terrain que tu avais juste pour dédommager une célèbre prostituée. Quelle grosse honte! Papa, tu devrais me remercier d'avoir gardé ton secret et de n'avoir pas dit à maman, même pas un tout petit peu. Et en retour pour cette faveur, tu dois me soutenir dans cette grossesse. Tu dois me soutenir. Aïe. Tu ne devrais pas être déçu. Je n'ai fait que suivre ton exemple. Le sang ne fait que suivre la veine. Tel père, telle fille. Aïe. Yememo. Hey. Je refuse. Non, écoute, écoute-moi d'abord. Calme-toi. Jamais. Mais voyons, calme-toi, je veux dire. Il y a autre chose qu'on peut faire. Non. Si la police n'arrive pas à trouver cette petite fille, hein? Comment va-t-elle attraper de grands bandits? Je suis dépassé. Ce n'est qu'une petite fille. Bonne question, mais tu vois, cette fille ne va plus dans les boîtes de nuit ou tout autre événement de la ville. Mais mon frère, c'est tout à fait normal, hein? Tu t'attends encore à la voir dans des boîtes de nuit ou autre événement? Mais non, Mba, non. L'argent qu'elle a est trop beaucoup. Même si elle reste chez elle pendant 5 ans, elle ne pourra pas dépenser l'argent, elle ne sortira pas. Même si c'est toi qui as cet argent, frère, tu ne sortiras pas pendant 5 ans. Oh, mais voyons, mais voyons. Allez, mec. Si tu me donnes ce pognon, c'est de la menu-monnaie pour toi. Oui, mec. C'est de la menu-monnaie pour toi. Allez. Quand tu as bossé pour ça. Mais si tu n'as pas bossé pour ça, même si on te donne une telle somme et que tu n'as pas bossé pour l'avoir, ce n'est pas de la menu-monnaie. Je te comprends. Oui, c'est une grosse somme. Tu vas la cacher chez toi et dépenser ce fric. Calme-toi. Calme-toi. Mm-hmm. Je comprends. Mais tu sais, vu comment tu as des hôtels dans le pays, je me demande pourquoi tu as encore celui-ci. Je veux bien savoir. De quoi est-ce que... Mais attends, hein, c'est ma résidence personnelle là. Hein? Je peux avoir des filles dans plus de 10 chambres. Mais tu sais que j'aime ça, non? Hein? Tu sais que j'aime ça. J'aime avoir plusieurs filles pour me satisfaire. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? Donc cet hôtel particulier pour... Pour mes plaisirs personnels. Mm-hmm. Tu sais, comprends mec, maintenant? Je comprends parfaitement ce que tu dis, mais... Mm-hmm. Mais comment comptes-tu retrouver cette meuf? Parce que d'après toutes mes recherches, elle est nulle part dans la ville. Mais je vais trouver moyen. Elle est sûrement partie à l'étranger, mec. Ne t'en fais pas, je vais trouver moyen. N'importe lequel, mon frère, n'importe lequel, ne t'en fais pas. Même si elle échappe au système de la police. Et comment comptes-tu faire ça? Je vais trouver moyen, ne t'en fais pas. J'ai son slip ici. Oui, elle a laissé son slip ici, chez moi. Je ne comprends pas. Son slip est en ma possession à l'heure que je te parle. Son slip est... Elle a laissé son slip en ta possession, comment? À l'heure où je suis en train de te parler, mon frère. Ce petit string totalement blanc est à ma possession dans ma chambre. Comment? Son string blanc, oui, son string blanc. Elle a laissé son string. Ah, Odo. Ah, Odo. Oh non, c'est pas vrai. Odo, donc tu veux dire que tu vas être diabolique? Maintenant, tu iras travailler son slip si le tueur y fait. Mon frère, je m'en fous que ce soit diabolique, bobolique, métaphorique. Mon frère, ce qui compte, c'est le résultat, hein? Je dois faire mal à cette fille. Je vais lui donner une très bonne leçon à celle-là. Mec, c'est bon, cette bien. Cette fille-là reviendra me demander pardon elle-même, je te dis. Son slip va la représenter dans le monde des ténèbres. T'inquiète, ça va la représenter là-bas, on pourra l'atteindre avec. Hein? Elle va le regretter de m'avoir connu un jour. Hein? Je ne peux plus aller en Afrique du Sud. Je ne peux plus aller à Bangkok à cause d'elle. Et j'ai perdu énormément d'argent à cause d'une petite fille. Oh, elle ose me voler mon argent, mes documents, mon frère. Mais attends, mon frère, tu entends ça? C'est bon, hein? C'est bon, donc calme-toi. Mais j'aimerais que tu m'aides avec mes 20 conteneurs. Aide-moi les dédouaner, s'il te plaît. Je sais que c'est ton pourquoi domaine. Pourquoi tu bégais quand tu parles, hein? Quand tu me parles, hein, frère? Parle-moi, hein? Avec assurance. C'est clair, pas, bien sûr. Assurance, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des hommes d'affaires. Udo, de Diego.
Mon loisir, c'est de dépenser mon fric. Hein? Tu devrais le savoir. Mon pote riche, l'argent, mon pote riche, mec. Mon pote riche. Tu me l'as demandé et... je l'ai aidé. Mais tu lui as donné et c'est rien pour toi. Mon bon ami, j'aime ça. J'aime la façon dont tu t'exprimes. La façon dont tu t'exprimes, mec. Tu sais, en fait, là, mon frère, je ne m'exprime pas. C'est ce que je fais chaque jour quand j'ai rien à faire. Je partage du fric aux gens, je les partage au pognon. Tu sais, mon frère, quand une femme, une nana s'occupe bien de moi, et tu vois qu'elle fait un type d'acrobatie hein, sur moi, je lui donne... Donc tu la récompenses. Je la récompense. Mon pote, mon tu sais, pote, mon frère, quand elle tourne comme l'hélico sur moi, hein, comme l'hélico sur moi, pas doucement, je dis comme l'hélico sur moi, les acrobaties sur moi, hein, tout ça pour moi, je les paye grâce. Je ne connais pas ce style, c'est quoi mais l'hélico frère, comment tu ne connais pas ça, hein? Je parle de l'hélicoptère, hein, tu vois, les acrobaties, hein, comme l'hélicoptère, ça tourne. Tu es fou, hein, toi. C'est trop bon, les filles. C'est trop bon. J'adore ça. Allez, allez-y. Bébé, allez, allez, allez. Ce soir, je vais t'amener. Non, je t'assure. Ah, mon Cameroun. J'adore les Camerounaises. Repose-toi, suis ça. J'adore les Camerounaises. Si deux encore. J'adore le popeta. J'adore tout ce qu'elles ont. Bébé, amène-moi au Cameroun, allez. Ah, vas-y, amène-moi. Ah, amène-moi. Embrasse-moi, Lili. Mon est Chima. Chima Kubana. Chima Kubana. Chima Kubana. Chima Kubana. Et d'autres s'appellent Saint-Obi. Moi, c'est Chima. Je m'appelle Chima et non Obi. Chima Kubana. Bébé, là où tu viens de me faire bisous. Fais-le encore. Ah, les Camerounaises. Amène-moi au Cameroun. Je vais t'amener au Cameroun. Bébé, amène-moi au Cameroun. Ça, c'est un oreiller pour toi. Timo. Repose-toi sur ses coussins. Nous allons t'amener. Je vais vous amener à Londres. Je vous amènerai à Londres. À Soubana. Hey. Tinike Oginezi. Où est-ce qu'elle est partie? Seigneur, fais que ma fille revienne à la maison. Hey, Mazio Keke est vivant. Il n'est pas mort.
Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose à ma fille. Seigneur, s'il te plaît, dis que, Seigneur, envoie tes anges localiser ma fille où qu'elle soit. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Jessica m'a demandé de t'amener en ville. Tu en es sûre? Oui. Je suis sûre. Oh. Mon dos me fait tellement mal. Je suis désolée. Maman, tu vois pourquoi tu veux venir avec moi? Lovette. Maman. Comment va-t-elle prendre soin de moi en ville? La dernière fois que tu es venue ici, tu m'as dit que les choses ne marchaient pas bien pour elle. Donc, comment peut-elle prendre soin de moi? Écoute, maman. Elle a dit qu'elle allait partager le peu qu'elle possède avec toi. D'accord? Ce que tu dis ne me rassure pas. Tu es sûre qu'elle peut? Maman, écoute, je dois aller là à l'intérieur et ranger tes affaires. Tu vas avec moi en ville. Lovette, tu ne peux pas rester ici. Mes choses sont éparpillées partout. D'accord. Lovette, prends ce que tu peux et on y va. Jacobé! 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 Tu vas rentrer et ne pas me trouver à la maison. Je vais en ville pour voir Ebere Chukumwamo, Ebereo, Ewo. Hé, hey, Lovette. Une minute, s'il te plaît. Pardon de prendre ton temps, Lovette. Qui est cette femme que tu as ramenée à la maison? Ah boy. Je crois que Jessica est la personne indiquée pour répondre à ta question. Jessica? Excuse-moi, est-ce qu'elle savait qu'elle venait parce qu'elle ne m'a pas dit qu'on aurait un visiteur? Oh, de grâce, je t'en prie, ne te stresse pas. Si tu as quelque chose à manger, donne-lui-en. Pendant qu'elle attend que Jessica rentre. Mais... Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, c'est pas un rêve. Ebere Chukwu. Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu... Qui est dans cette maison? Ebere Chukwu, comment tu vas? Tu me manques tellement, ça fait très longtemps. Oh mon Dieu. Ebere Chukwu. C'est vraiment toi? Pourquoi tu... Qui t'a fait... Qui... Comment connais-tu ma maison? Qui t'a montré le chemin jusqu'ici? Ebere Chukwu, c'est moi ta mère. Hein? Ta mère. Je rejette ta stupide phrase. Oh, dernière nouvelle, je sais que je suis orpheline. Qu'est-ce que tu fais ici? Ebere Chukwu, s'il te plaît, je comprends ce que tu ressens. Hé, hey, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Hé, hey, Seigneur, je ne suis même pas en sécurité dans ma propre maison. Pardonne-moi. Je n'ai pas été capable de t'offrir la vie que tu méritais en grandissant, s'il te plaît. Je te pardonne d'être une vieille, stupide sorcière puante. Je sais pourquoi t'es là. Tes collègues de sorcellerie t'ont envoyé me nuire physiquement. Mais tu sais quoi, je ne te laisserai pas. D'ailleurs, allez, mets-toi dehors.
Est-ce que tu me chasses de chez toi, Eberechukwu? Hein? Je fais quoi? Eberechukwu, tu me chasses de... Non, je t'accueille à bras ouverts. Non, lève-toi. Pars dans la chambre. Je te dis de partir. Seigneur Dieu. Eberechukwu, tu es vraiment en train de me chasser de chez toi? Eberechukwu, tu es vraiment en train de me chasser de chez toi? Oui, va-t'en. Pars avant que quelqu'un ne vienne ici. Eberechukwu, je suis ta mère, pardon. Je t'ai dit de partir. Eberechukwu, pardon. Non. Oh, Seigneur. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de me débarrasser de cette puanteur. Merc. Eberechukwu, je suis ta mère. Lève-toi, dégage. D'ailleurs. Eberechukwu, je suis ta mère, oh. Sors de chez moi tout de suite. Ne reviens plus jamais. Fous le camp. Vieille sorcière. Va-t'en. Va-t'en, je dis. Va-t'en. Tu as laissé ton odeur ici. Ne reviens plus jamais, ok? Putain de merde. Plus jamais. J'arrive pas à le croire. C'est quoi cet horrible cauchemar? Parce que je n'arrive vraiment pas à croire. Merde. En plus, elle est infectée. Ne reviens plus jamais. Si tes collègues t'ont envoyé ici pour que ta présence cause des dégâts, t'as échoué. Dis-leur que tu ne m'as pas vu. Que ta mission a échoué avant qu'elle ne soit activée. Dis-leur ça. C'est pas possible. Reviens plus jamais. Ah, bébé, comment tu vas? Viens. Excuse-moi. Cette vieille dame, qui est-elle? Qui? Ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Qui est-elle? Ah, cette femme, ce n'est personne de si important. Comment était la journée? Je veux quand même savoir. Qui est-elle? La femme. Oui? C'est juste l'une de ces femmes que j'ai rencontrées dans l'air quand je conduisais. Je lui ai donné un peu d'argent. Tu sais quoi? Je ne te crois pas. La femme que j'ai vue là dehors avait l'air de quelqu'un qui est parenté à toi. Alors dis-moi, qui est-elle? Tu plaisantes, j'espère. Bébé, regarde-moi. 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 Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui peut avoir une quelconque parenté ou amitié avec cette vieille mendiante? Ne m'insulte pas. Ne l'essaye plus. C'est bon, bébé, je crois que mon instinct m'a joué un vilain tour. Je le pense aussi. Je suis désolé. Mon instinct me dit que Odo a quelque chose à voir avec ça. Comment peux-tu expliquer qu'une étrangère se retrouve chez moi comme par hasard? Je suis très sûre que c'est un coup d'Odo. Tu as raison sur ce coup, tu sais. T'as peut-être raison. Ouais. Putain de merde, j'ai besoin d'un brandy. Comment était ta journée? Bien. Super. Agama kolonye, agama bakulonye.
Écoute, laisse-moi te dire un truc. Ne fais plus jamais ces conneries. Est-ce que c'est clair? Maintenant, prends ton gros corps et viens chercher l'ordure que tu as laissée chez moi. Si ta mère est une ordure, alors c'est une ordure à toi. Je ne sais pas pourquoi tu l'as jetée dans la rue. Évite de porter son sang sur ta conscience. Son quoi? Son sang? Cette sorcière a même encore du sang? Après avoir sucé tout mon sang et celui de son entourage, a-t-elle du sang? Ma puce, ne joue pas avec moi. Oh. Ne pense pas que comme nous sommes amis, tu vas franchir toutes les limites. Laisse-moi, oh, libère ma vie. C'est comme si tu aimes beaucoup cette femme. Tu l'aimes bien, non? Tu l'aimes beaucoup. S'il te plaît, adopte-la. Qu'en penses-tu? Oh, le karma. J'encule ce karma. Je t'encule et j'encule cette vieille sorcière. Sache une chose, je suis son karma. Et ne tracasse pas ta jolie petite tête. J'aurai des enfants dont je prendrai soin. Est-ce que c'est clair? Ceci dit, ne refais plus jamais ça. T'as compris? Plus jamais! Berechuku, tu m'as jeté hors de chez toi. Berechuku, je te maudis en ce jour. Tu ne seras jamais heureuse. Berechuku, tu dis que je pue. Berechuku, tu vas puer tous les jours de ta vie. Berechuku, la vie ne sera jamais rose pour toi. Tes enfants et les enfants de tes enfants te feront pire que ça. Berechuku, tu travailleras jour et nuit et tu n'auras aucun résultat. Même si la vie est belle pour toi. Berechuku, tu m'as jeté dehors. Tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Ewo. Maman, c'est bon. Maman. Maman. Jessica. Jessica, je ne sais pas ce qui ne va pas avec Jessica. Comment peut-elle faire une chose pareille à sa propre mère? Maman, c'est bon, écoute. Je ne suis plus sa mère. Non, 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 maman. Elle m'a jeté hors de sa maison. Elle a dit que je puais et Berechuku va puer toute sa vie. Non, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Peu importe ce qui arrive, elle est toujours ta fille. S'il te plaît, est-ce que tu peux retirer ces mots? Maman, pitié. Maman, je t'en prie. Si je l'ai offensée. Si j'ai offensé un jour à Berechuku, alors que ces malédictions retournent chez moi. Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter? Maman, s'il te plaît, ne la motive pas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Oui, Jessica. Si je n'ai pas offensé ma fille. C'est pas possible. Jessica, comment t'as fait ça à sa mère?
Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? Jessica. Oui? Tu es très méchante et cruelle. Quoi? Comment oses-tu traiter ta mère de la sorte? Jessica! Es-tu la seule à avoir été élevée par une mère célibataire, Jessica? Oh. Dieu peut écouter les pleurs de cette femme et tu vas souffrir pour tes actions. Si tu ne changes pas cette attitude horrible que tu as. Jessica. Jessica, le karma est réel. Tu subiras forcément les conséquences. Peut-être pas maintenant, mais un jour prochain. Dieu m'en préserve. Tu es tellement cruel que Dieu t'en garde. Je me tire d'ici. Bonne journée à toi aussi. Emere Choco. Emere Choco. Maman. Maman, s'il te plaît, ça va. Arrête de pleurer. À cause de Jessica. Emere Choco. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas après tout ce que je lui ai dit. Jessica a refusé de t'accepter dans sa maison. Sa propre mère. Hey! Maman, t'inquiète pas. Allons-y. Allons-y. Je t'ai personnellement amené, c'est pour qu'elle te voie et qu'elle voie ton état. Mais Jessica, je ne sais pas, peut-être qu'elle est envoûtée. Je crois qu'elle est envoûtée, maman. Viens, s'il te plaît, tu n'as pas besoin de pleurer, je suis là pour toi. Arrête de parler de Jessica, je suis là pour toi. Vois-moi comme ta fille. Je lui ai parlé, mais elle ne m'a pas écoutée. Alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter, ok? Je suis là pour toi, allons-y. Comme ça, tu pourras te rafraîchir et manger. Héberé, voilà. Ma fille. Porte tes sandales. Héberé, ma fille. Oh. Je suis maintenant là pour toi, d'accord? Arrête de pleurer, maman. Vas-y, porte tes sandales. Allez, on y va. Ma propre fille. Oh. Que Dieu te bénisse. Merci, ne pleure pas, ne t'en fais pas, je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Emere Choco? Maman, je t'en prie. Ne t'en fais pas, s'il te plaît. Emere Choco m'a chassé de chez elle. Ça va aller. Écoute, maman. Je t'appellerai de temps en temps. D'accord? Ah, maman. Ça va aller, ma fille. Mon Dieu va te bénir. Amen. Tout ce que ta main trouvera à faire, Dieu te bénira. Amen. Que Dieu bénisse tes mains. Amen. Oh, toi qui t'es souvenu d'une femme rejetée et en détresse comme moi. Le monde entier. Et cette génération te louerons. Amen. Écoute, Lovette. Maman. Dieu se souviendra de toi et te fera prospérer. Amen. Et il te bénira. Amen. Écoute, maman. N'hésite pas à m'appeler chaque fois que tu as besoin de quoi que ce soit. Appelle-moi et si tu ne peux pas le faire, demande à Tchekoubé de le faire. Écoute. Considère-moi comme ta fille. Considère-moi comme ta fille, d'accord? Lovette, la seule fille que j'ai dans ce monde. Maman, c'est bon. Tu seras célébrée. C'est bon. Hey, oh. Hey. Tchekoubé! Non, non, arrête! Qu'est-ce qu'il y a, non? Mais arrête! J'insiste qu'on aille dans un hôtel proche. Pourquoi? Non seulement ce qu'on fait est mal, mais c'est aussi risqué, tu ne vois pas? Bon sang. C'est bon, faisons ça rapidement. Ne me touche pas, laisse-moi. Tu sais que je suis sucrée en bas et je veux te baiser.
J'ai trop envie de toi. Écoute, je vais te dire un truc. Elle vient de sortir. Elle va pas revenir tout de suite. Avant qu'elle ne rentre, j'aurai joui, tu auras joui. On va se sucrer. Oh, laisse-moi. Putain. Ah. Hey. Elle nous a attrapés. Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est pas ce que tu crois, bébé. Oui. Crois-moi. Une erreur. Ce n'est pas... Tu oses me trahir de la sorte? Tu oses me... Tu as osé me faire ça? Non, bébé. Tu me blastes de cette façon? Non, bébé. Elle essayait de... Oui. Je suis sucrée en bas et le gars est trop beau, non? Le mec est trop sexy. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. C'est le même business qu'on fait, non? La chair est faible. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me récompenses. Non. Bébé, je peux m'expliquer. Je peux t'expliquer. Expliquer quoi? Attends, calme-toi, bébé. Je vais m'expliquer quoi, putain? Écoute, calme-toi. Mais toi, Léo, dégagez tous les deux de ma maison. Pour aller où? Où va-t-on aller? Dégagez! Où va-t-on aller? Sortez de chez moi! Oui. Dégagez, j'ai dit! D'ailleurs! Oh mon Dieu! J'y crois pas! Là! Putain! Putain de bordel de merde! Oh mon Dieu, dis-moi que je rêve, dis-moi que c'est pas vrai! Mike. Comment tu vas? Bébé, lui, c'est un très bon ami. Son nom, c'est Mike. Et là, c'est sa maison. Tu sais, je viens souvent ici pour me calmer quand je veux fuir les bruits de Jessica. Tu sais comment elle est. Donc... Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. On est là on va rester ici. Tu comprends? C'est mon ami. Il n'y a pas de problème. Tu vas l'aimer. Tu racontes quoi? S'il vous plaît, madame, ne vous fâchez pas. Que le tonnerre te frappe. Avec sa tête comme la pioche du village. Donc tu m'appelles madame? Qui appelles-tu madame? Qui est le plus vieux? Entre toi et moi, qui est le plus vieux? Pourquoi tu m'appelles madame? Je veux te parler d'abord. Idiot. Regarde sa tête, il m'appelle madame. Toi, ferme ta bouche. Pourquoi il m'appelle madame? La maison, tu n'as pas. Des suggestions, tu n'as pas. Des amis, tu n'as pas. Tu jacasses. Mais je ne comprends pas. Comment tu veux squatter? Tu prends quelqu'un d'autre pour venir squatter chez quelqu'un? Calme-toi, n'élève pas la voix. C'est ma meuf, là. Tu comprends? C'est ma meuf. Et vu la situation, on va rester ici pour un temps. On va partir. Non. Tu comprends? Tu es mon pote, hein? Je suis pas d'accord, ça ne peut pas marcher, non! Tu n'as vu personne d'autre? Tu viens avec cette vieille folle dans ma maison? Ne traite pas ma meuf de vieille folle, frérot. Mais dis-moi, qu'en est-il de Jessica et toi? Écoute... Avec Jessica, c'est une longue histoire, frérot. Comme tu me vois là, elle nous a chassés de chez elle. T'es mon seul vrai pote, on va cracher ici pour un temps. Oublie-la. Tu ne peux pas rester là, ça ne peut pas marcher. Pourquoi amener cette vieille folle ici? Je ne veux pas de problème, non. Donc ça te plairait de laisser ton pote dormir dans la rue? Ah boy, c'est quoi ces messes basses? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Amène-moi chez toi, pardon. Madame, je vais te dire un truc. Ton gars, que voici, est un SDF. Comme tu le vois là, il n'a pas de maison. Je ne peux pas accepter que vous restez ici. Alors, vous devez partir ailleurs. Parle sans me toucher. Ne me touche pas quand tu parles. Attends. Prends-la et partez de chez moi. Ah boy, te fâche pas, hein. Tu m'as amené ici pour qu'on m'insulte. Donc, tu m'as amené chez ce gardon de la barbe parsemée. Un ici, un est là, un ici, un est là, pour qu'il m'insulte. J'entends ça. Hein? Tu l'as cherché. T'occupe pas de lui. Singe. Idiot. Fiche-moi le camp, c'est ta maison. Mais c'est ta maison. Mec, sortez de ma maison. Ferme, dégage de là.
Chérie, amène-moi. Mec, vas-y, prends là, il part chez moi. Amène-moi là-bas, je veux voir ton père. Amène-moi chez ton père. La maison de mon père? Là-bas, c'est la guerre, hein. Tu n'aimerais pas voir Boko Haram en action. On l'aille partir. Ce que tu dis là, que tu es sucré, gare, hein, bah, ils ne comprennent pas ça. Gare. Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas. C'est comme si tu es cinglé. C'est comme s'il te manque des cases. Tu es fou. Ça va. Laisse-le. Prends cette folle et partez. Laisse-le. Tu es vraiment folle. Lâche-moi, idiot, salaud. Que je te punisse, idiot. Laisse-le, arrête. Stupide mec, dégage de ma vue, idiot. Mon pote, prends cette folle et sortez de chez moi. Allez-y, dégagez de chez moi. C'est quoi votre problème? Arrête. Dégage d'ici avec cette folle. Je vais te frapper très mal, je te jure. Je vais détruire cette maison, casser la moi, télévision. Ça suffit. Pour cela, et sortez. C'est bon, on s'en n'importe va. N'importe quoi. Vois donc ta vie. Je ne sais même pas quoi te dire. Je te le jure. Hein? Donc tu vivais dans le mensonge depuis tout ce temps. Tu m'as dit que tu étais un mec riche. Une simple maison tu n'as pas. Tu m'as amené chez ton ami et il t'a jeté dehors. Tu m'amènes où maintenant? Regardez qui parle. Toi, tu as une maison. Tu as une maison toi-même. Hein? Avec ta cupidité et ton égoïsme, regarde où ça nous a conduit. Regarde, hein? Maintenant, on vadrouille dans la rue. Sucré en bas. Tu vois alors? Tu as une maison où aller? Je n'ai pas, mais je suis mieux que toi. En quoi es-tu mieux que moi? Je crois seulement avec les bling-bling, et pourtant tu vis chez une femme. Je croyais que tu avais ton duplex à toi, ou que ton père avait de l'argent. Pourtant, tu n'as pas un sou. Et ta mère, elle a de l'argent? L'argent que ton père a donné à ta mère, il ne te l'a pas donné à toi? Sucré en bas. Je jure, depuis que je suis entré dans cette ville où je t'ai rencontré, je ne sais pas ce que tu sais faire ou ce que tu as. En dehors de ton corps, au moins j'ai une valise. Tu sais mettre du rouge à lèvres. Au moins j'ai une valise. Tu sais mettre du rouge à lèvres. Quand on te voit, on se dit que tu as de l'argent. Pourtant, un sou, tu n'as pas. Ok, je n'ai pas un sou. Toi qui dors chez Jessica, tu as pris un caleçon en sortant? Tu n'as absolument rien. Une simple valise, elle ne t'a pas donné. Moi, j'ai mon sac. Qu'est-ce que tu as, toi? Rien que ce que tu as entre les cuisses. Oui, ouais, tu dis être sucré en bas. Te voilà sucré dans la rue maintenant. Je suis sucré en bas. C'est dans la rigole que tu vas dormir aujourd'hui. N'importe quoi. Cette nuit, c'est dans la rigole que tu vas dormir. Quelle rigole? Je te jure que si tu ne me trouves pas un endroit où dormir, hein, tu vas utiliser ton argent pour payer l'hôtel. Ça va, écoute. Laisse-moi je vais tranquille, te trouver monsieur. Un endroit où dormir. Ne me mens pas. Donne-moi mon sac. Ça va, attends. Après m'avoir insulté, tu veux porter mon sac? Allez, on peut plus non, jouer avec toi. On ne peut quel plus plaisanter. Quel genre de bête jeu? Quel genre de bête jeu? N'importe quoi, Rebecca. Tu vas retourner chez Jessica ou... Ah, tu n'aimes plus mon bonbon du bas? Ouais, si je m'en vais maintenant, tu vas pleurer. Tu m'as amené dans la rue pour vadouiller. Rebecca. Libère la route avant qu'on te tue. Bye bye. Le minou sucré, les sandales rouges, rouge à lèvres rouge. Les ongles rouges. Udo, j'ai remarqué un truc ici. Dis-moi. J'ai fait un triste constat. Écoute, je vais te dire un truc. Est-ce que tu sais qu'il n'y a plus de filles décentes dans ce pays? Mais tu as mené quelle étude, frère? Dis-moi, tu as mené quelle étude? Hein? Pourquoi tu dis ça? Hein? Mon pote, mais dis-moi, pourquoi tu parles de la sorte? Hein? Je veux dire, toutes les filles sont de grosses putes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Dis-moi, mon frère. Qu'est-ce qui te fait dire ça, hein? Explique-moi pourquoi. C'est vraiment, vraiment incroyable. C'est très énervant. C'est fou. Tu ne me croiras pas. La fille que ma mère a trouvée pour moi. Tu veux parler de la fille du village? Exactement. Cette fille est la même avec laquelle j'ai couché en ville. C'est une grosse pute. Tu sais, mon frère, c'est ce qu'on appelle le retour aux sources. Une fille du passé revient au présent. Oui, c'est ce qu'on appelle, mon frère, le retour aux sources pour toi. Ce sont des filles boomerang. Les filles avec lesquelles tu as couché avant reviennent vers toi. Mais voyons, mec, ce n'est pas drôle. C'est les Messis. Le karma des choses que tu as fait dans le passé. Elles reviennent vers mais toi. Mais je n'ai jamais demandé à ma mère de me trouver une femme. Je suis apte, je suis un homme. On est au 21e siècle. Udo, voyons, tu sais de quoi je parle. Nous sommes encore au 21e siècle. Moi, je suis entré au 27e siècle. Oui, je suis très prudent. Si tu es encore dans le 21e ou le 24e siècle avec elle, voilà le résultat. Udo, attache ta ceinture et laisse-moi te choquer. Je vais te donner la partie la plus choquante de tout ça. Ok. Cette nana est la fille d'un célèbre
pasteur. Enugu Boloso. Enugu Oboroso. Mon pote, c'est pour ça que je t'ai dit que, hein, le jour où moi je voudrais me caser, hein, au lieu que j'aille au village chercher une prostituée retraitée ou une criminelle retraitée de la ville, je préfère aller en boîte de nuit. Ouais, si je pars là-bas, quand j'aurai écumé une ou deux boîtes, je verrai une fille qui cadre avec mes fantasmes. Eh bien, je vais l'épouser direct. Je sais que le démon que tu connais est mieux que l'ange que tu ne connais pas. Mm-hmm. Ce que je dis, ce n'est pas la réalité. C'est la vraie réalité. Ce que je dis, c'est la vraie réalité. Oh, oh. Pourquoi tu dis oh, oh, oh? 95% des filles que tu vois au village sont des criminels retraités en ville. Tu es sérieux là? Comment ça si je suis sérieux? Ce que je te dis, c'est de la vraie réalité, mon frère. Je suis très sérieux. Parfois, mon frère, il faut enlever ton accent là. Ce n'est pas nécessaire. Je suis très sérieux là. La plupart des filles que tu vois au village sont de criminels retraités en ville. Leurs noms sont dans tous les postes de police. Elles utilisent le village comme cachette. Wow. Oui, quand je voudrais me marier, je serai tranquille. Je sais que je vis avec un démon. Au lieu de te lurer, mon frère, que tu vis avec un ange qui va te tuer par la suite. Voyons. Je préfère encore ça. Je veux dire, que suis-je donc censé faire? Frère, ne cherche pas ce que tu es censé faire. Alors, comment vais-je trouver une femme pour épouser? Comment ça, tu ne sais pas comment trouver une femme à épouser, mon frère? C'est mieux, tu choisis un démon dont tu connais déjà la nature. Comment peux-tu sauter des filles ici, en ville, pour aller choisir une sainte au village? Dieu va toujours te donner un autre démon. Non, c'est une idée de ma mère, voyons, mais... Dans ce cas, il faut avorter. Hein? Il faut avorter. Hein? Ce ne sont pas toutes les grossesses qu'on laisse évoluer. Certaines grossesses, on les enlève. Tu n'as jamais fait d'avortement? Je sais que tu as fait une série d'avortements. Voyons, mec, je ne suis pas toi. Dans ton hôtel, tu as plein de meufs et tu les fais avorter, je le sais. Mais ce n'est pas moi. Ça, c'est mon occupation. Hein? Ça me concerne. Voyons, tu devrais changer, mec. Mon frère, la vie que tu vois si est très courte. Ce que tu manges, c'est avec ça que tu meurs. Tu me comprends? On ne connaît pas l'avenir. Tu peux finir de parler avec moi là maintenant. Demain, on t'appelle et on te dit, je ne suis plus de ce monde. Dans le peu de donc, temps je ne dois que pas tu faire as de projet. Tu sais bien que la vie que tu vis. C'est pour ça qu'il faut planifier. Elle t'est empruntée. Cette vie-là. Assure-la. Elle appartient. Assure-la. Va dans une agence pour assurer ta vie. Et si tu meurs, il n'y aura pas de soucis là-dessus. C'est le Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas de problème à ce qu'elles vivent avec moi. Mais mes termes et mes conditions doivent être respectés. Sinon... Quels sont ces termes et ces conditions? Son loyer? Un pourcentage de ses entrées quotidiennes. Une contribution journalière de son repas. Et beaucoup d'autres choses. Mais, Aboy, attends. Comment as-tu pu lui faire une chose pareille? Bien que tu saches à quel point il t'aime. Eh bien, Lovette, toi et moi savons à quel point j'aime Jessica. Tu sais à quel point je l'adore. Mais un jour, tout est mort. Les sentiments, l'affection, l'amour que j'avais pour elle sont morts le jour où j'ai su que cette femme, c'était sa mère. Et en découvrant que c'est elle qui la traitait comme un tas de merde. Je ne peux pas m'imaginer être avec quelqu'un d'aussi cruel. Quelqu'un qui ne respecte pas les humains. Elle est très méchante. Elle n'est pas différente d'une sorcière. Donc, concentrons-nous sur ce qui nous a amenés ici et... laisse ma vie privée tranquille, d'accord? Et avec toutes les filles, tu as décidé de la tromper avec... Tu n'as aucune classe ni honte. En tout cas, je m'en fiche. Je t'aime. Je ferai tout pour te rendre heureuse, ok? Désormais, je veux que tu vives ici, le temps que je me cherche aussi. C'est d'accord.
J'aime bien. Je sais que tu aimes. Tu aimes les choses chic. Ne suis-je pas classe? Ah, je n'ai pas dit ça. Ne suis-je pas chic? Ouais, tu l'es. Écoute, je veux que tu prennes soin de toi. Bien sûr, t'inquiète pas, je suis un grand garçon, je sais m'occuper de toi. Bien sûr. Ne fais pas de bêtises. Non, je jure que tu ne feras rien. Jure que tu ne feras rien. Arrête, tu me fais rougir. Touche ici et jure que tu ne feras rien. Ce n'est pas bien de jurer. Promets-moi que tu ne feras rien, toi aussi. Moi, je vais faire. Ne suis-je pas une pute? Je dois baiser. Mais sache que je vais baiser avec condom. Parce que si je baisse sans condom, ça veut dire que je suis amoureuse. Mais ce n'est qu'avec toi que je baisse sans rien. Chair contre chair. Chair contre chair, peau à peau. Je t'aime, bébé. Je t'aime aussi. Prends soin de toi, ok? Je prendrai soin de moi. Tu sais que je suis très sucrée en bas. Oui, je sais, bébé. Embrasse-moi avant de partir. Ça te va? Allez, allez, viens, donne-moi plus. On va nous attraper ici, va-t'en. D'accord, à plus tard. Hein? Je t'aime. Je t'aime aussi. Va-t'en. J'ai dit de partir. Va-t'en, non? Prends soin de toi. D'accord. Je t'aime de tout mon cœur. Chima. Rebecca? Chima! Rebecca? Chima! Que fais-tu ici, Rebecca? Rebecca? Où est mon fric? Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu ici? Où est mon argent? Chima! Chima! Reviens. Viens, Chima. Chima, arrête-toi. On dirait que tu es malade, que tu es fou. Hein? Chima. Chima, arrête-toi. Bordel. Viens, le bordel. Chima. Le bordel. C'est ton fou. Tu refuses de payer. Dieu merci. Rebecca. Je t'ai attrapé. Je t'ai. Allez, lâche-moi, mais c'est quoi cette façon? Oui, je vais déchirer tout ça. Et je vais te laisser tout nu. Lâche mon pantalon. Je ne te laisse pas. Lâche mon pantalon. Tu es malade. Je n'ai pas honte. Je peux avoir mon argent. Allez, bébé, arrête. Tout ce que je t'ai donné dans cette vie. Tu as volé mon argent et tu as fui. Rebecca, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Arrête. C'est moi ton Tima. C'est moi ton Tima. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Tima, je te le demande, c'est quoi le problème? Écoute, cette personne est un voleur. Je suis là pour prendre mon argent et je ne vais pas lâcher ce gars. Tu vois, hein? Donne-moi mon argent. Toi aussi, comment tu peux aller là-dessus? Mais toi, la ferme là-bas. À quoi ça te concerne? Attendez. Écoutez. Rebecca, attends. Tu sais que tu as le bonbon en bas. Ça fait à peine une heure que t'es arrivé chez moi et déjà tu causes des problèmes. Et c'est ainsi que tu comptes te comporter ici? Si tu veux régler ce problème, hein? Dis à ton frère de remettre l'argent de Rebecca parce que je ne suis pas prête à laisser ce gars ici jusqu'à ce que je récupère mon argent. Si c'est comme ça que tu comptes vivre chez moi, alors je suis désolée parce que je ne pourrai pas te supporter. Tu ne pourras pas me supporter. Jamais de la vie. On va donc mourir ici. Bordel. Arrête. Donne-moi mon argent. C'est moi. Il faut payer. Écoute, Chima. C'est moi. Chima. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Regarde-le. Laisse-le. Tu n'as pas honte? Laisse-le. Voleur. Remets son argent. Au choba. Chima, comment tu peux? La fille a élaboré un plan pour se faire de l'argent.
Et tu as volé cet argent. N'est-ce pas méchant et cruel, ça? Lobette, écoute, la fille a élaboré un plan pour voler l'argent de quelqu'un. Tim a élaboré son propre plan pour la voler. Où est le problème? Tu me fais, je te fais. Dieu ne me punira pas. Que le tonnerre te frappe là-bas. Je ne m'adressais pas à toi. Espèce de sale. Je ne m'adressais pas à toi. Je te jure que ce que je vais te faire, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Donc après tout le boulot que j'ai abattu au village, tu viens voler mon argent, n'est-ce pas? Tu es malade? Tu es stupide? Il te manque des cases? Sais-tu à qui tu parles? Hé! Pardon, ça suffit tout ça. Écoute-moi, laisse-moi te dire. Si c'était moi, je t'aurais cassé la tête. Une fille souffre pour avoir son argent, tu viens la voler, tu as encore le toupet déjà cassé. C'est comme ça que tu te conduis? Écoute, tu ferais mieux de la fermer et lui présenter tes excuses. Que je fasse quoi? Tu es absent, tu es sourd. Mais est-ce que c'est auprès de... pour... Tu fais ça, tu... Hein? Mais arrêtez! C'est à vous que je suis en train de parler. Oui, ne parle pas. Lâche-moi! Hein? Je te demande de lâcher mon vêtement. Sinon, hein? Que vas-tu faire? Lâche-moi. Rebecca! Jamais! Chima, vous voulez bagarrer? Je vais vous laisser bagarrer. Ce n'est pas chez moi que vous allez faire tout ça. Je vais couper ton pénis. C'est quoi ton problème? Je vais couper ton pénis. Tu voles, Rebecca! J'ai volé à quelqu'un et je t'ai volé. Rebecca, tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est ça? Appelle la police. Viens t'asseoir ici, ce n'est pas moi qui te parle. Si ta sœur ne m'avait pas abrité ici, tu allais voir. Le vent appelle la police pour nous deux. Nous sommes tous les deux des criminels, appelle la police. Hé, toi, ferme-la! Non, appelle la police! Rebecca, viens t'asseoir. Si on ne mettra pas tous les deux. Rebecca, viens t'asseoir ici. Tu oses m'appeler les voleurs. Écoute, je vais te dire un truc que tu ignores. Tu vois cet argent? Tu vas rembourser. Tout l'argent que tu lui as volé, tu vas rembourser. Oui, ne me regarde pas. Tu vas rembourser. Ah, accepte tes torts. Chima. Où est son pognon? Quel argent? Et voilà qu'il recommence à me poser cette question. L'argent que tu as rapporté ici en ville. J'ai vu cet argent. Où est cet argent? Écoute, je vais être honnête avec toi. Je l'ai dépensé. Oh! Alors, je te parle, je n'ai pas un sou sur moi. J'étais même sur le point de te demander de me prêter un peu d'argent avant que tout ceci n'arrive. Chima, tu as menti. Chima, je te dis que tu as menti. Tu ne peux pas manger l'argent de cette fille. Oui, je l'ai dit. Chima, tu es vraiment terrible. Si je me souviens très bien, Chima, ta nutrition et ton hébergement sont à ma charge depuis que tu es arrivé dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu me dire ce qui s'est passé? Où est son argent? Je te le demande. Ouvre ta bouche et parle. Lovette, je pense qu'il est temps que je te dise la vérité que je te cache depuis un moment. Quelle vérité? On m'a dupé. Ouh, voilà qu'il recommence. Ce n'est pas une blague, j'ai été dupé. Je suis très sérieux. Le mec que j'ai payé pour me fournir un visa a fait avec mon argent. Je l'appelle matin, midi et soir, il ne décroche pas. Et maintenant, ce mot ne passe pas. Je ne le vois plus, j'ai tout perdu, mon argent, mon visa, tout. Est-ce que tu viens juste de dire visa? Bien sûr, le visa. Désolé de ne t'avoir pas dit plus tôt. J'avais prévu de faire un voyage pour l'étranger. Au Royaume-Uni précisément. Pas n'importe où à l'étranger, au Royaume-Uni précisément. Hein? Je voulais y aller pour me battre. Pour me battre comme tout le monde. Tu sais très bien que ce pays est difficile, le Nigeria est difficile. Je voulais faire mon visa, aller à l'étranger et me battre. Ce qui aurait été profitable pour moi et profitable pour toi, puisque tu es ma sœur. Mais en fin de compte, ce gars a tout fait capoter. Tu m'accuses d'avoir volé une fille innocente. Suis-je aussi méchant? Ma chérie, écoute. Je ne crois pas que tu m'as été dupée. Tu sais, Chima peut mentir à tout le monde, mais pas à moi parce que je le connais très bien. Il est mon frère et je sais de quoi il est capable et de quoi il n'est pas capable. Écoute, j'aimerais que tu lui pardonnes.
Juste trouve une place dans ton cœur et pardonne-lui. S'il te plaît. Lovette, écoute, je n'ai de problème avec personne. Mon cœur est comme ça. Mais tout ce que je veux, c'est que tu fasses en sorte que ton frère me remette mon fric. Fais en sorte qu'il me remette mon argent que j'ai durement gagné. Qu'il me le remette. C'est tout ce que je demande. Terminé. Pardon. Ok. Tu sais quoi? Je vais te payer. Oui. Je vais te payer en ne prenant pas le loyer et les bénéfices quotidiens. Quand dis-tu? Ah, c'est faux. Attends, oh. Tu veux dire plus de 50-50? Genre, si je travaille toute la nuit et je rentre, je reste avec toi. Hein, tu comprends ce que tu dis? Tu veux dire que si je gagne 300 000 naira maintenant, je garde tout, je ne te donne pas 150 000? Bien sûr. Eh. Jusqu'à ce que ton argent soit complet. C'est super. J'espère que tu es contente maintenant. Hein? Oui. Contente est un mot faible. Écoute, je suis une pacifiste. Là où il y a la paix, c'est là où je suis. Comme tu as dit que je ne paye plus le loyer, plus de 50-50. Enfin, Rebecca, je pardonne à ton frère. Plus de bagarre. Alors, marché conclu. Meilleur marché. Ok. Je suis trop sucrée en bas. Tu m'as trahi. Comment oses-tu héberger cette fille dans ta maison? Cette salope ingrate qui a voulu me piquer mon mec. Jessica, Aboy n'est pas ton mec. Oh oui. S'il était ton mec, il ne t'aurait pas fait ça et te le jeter au visage. Eh bien, Aboy n'est le sujet de discussion ici. Nous parlons de ces stupides garces que tu as admises chez toi. Tu n'aurais pas dû la recueillir, chérie. Non, Jessica. Non. Tu n'as absolument aucun droit de me dire qui accepter ou pas accepter dans ma maison. C'est ma maison, c'est clair, et pas la tienne. C'est d'accord. Je ne suis pas cruelle comme toi. Pour la laisser errer dans la rue quand je peux très bien lui apporter mon aide et me faire de l'argent en retour. Oui. Incroyable. Je vais te dire, au cas où tu l'ignores, elle est ma sœur. Oh oui, elle vient de la même ville que moi. Écoute. Écoute et écoute-moi attentivement. Je rendrai la vie insupportable pour vous deux dans cette ville. Ouh. Dégage. La même ville où ta liberté n'est pas si sûre. Stupide garce. N'importe quoi. Dis-moi, ton corps est-il naturel? Tu t'es opéré? Hein? Monsieur, naturel est un mot faible. Je suis sucrée. Très sucré en bas. Super, c'est super. Tu sais... Très sucré en bas. Je leur ai demandé de m'amener une meuf qui est vraiment naturelle. Oui, je le sais. Vois-tu, j'en ai marre de toutes ces filles-là, liposuchées. J'ai demandé comment mener une vie normale. Parce que toutes celles qu'on coupe partout, là, dont tout le corps est parfait, la plupart du temps, elles ne font pas le travail comme je veux.
J'ai donc demandé une meuf qui n'a jamais été opérée. Une meuf qui est comme je la crie. Et on t'a je tu comprends. Vois, l'argent n'est pas un problème. Mmh. Oui, fais-moi juste du bien. J'espère que tu fais le grand écart. Monsieur, je peux tout faire. Tu peux faire les acrobaties? Je suis comme l'araignée. Position du singe, tu peux? Je suis une experte. La levrette, tu peux? Monsieur, la vache sacrée, je peux. Tu m'excites à mort, là. L'union du tigre. Allume-moi, poupée. Je peux. Le bateau ivre. Retourne, je peux. Allume-moi, poupée. C'est ce que je recherche des bleus. Je veux une meuf qui va me rendre fou. Oui, j'ai appris que des mecs deviennent fous. Et maintenant, je veux ça. Je veux une meuf qui me... Si tu réussis à me rendre fou, je vais te payer le triple de ce j'ai que tu veux. J'ai dit que je suis sucrée en bas. Super, c'est super. Montre-moi le bonbon que tu as là-bas. Tu es ici maintenant, hein, ma chérie. Tu n'es plus dans la rue. Je veux manger du riz et du poulet. Attends, c'est pour ça que tu te tortilles comme ça? Comme si tu veux te transformer en serpent? Non, je veux dire avec du champagne. Je croyais que tu allais me demander de la chair humaine. Et là, j'allais te demander si tu veux un enfant ou un adulte. Tu es très drôle. Qu'est-ce que tu veux, un enfant ou un adulte? Juste du riz et du poulet. Tout ce que tu veux dans cette vie, moi je te le donnerai. Même si c'est le requin, j'ai plein d'employés qui sont en haute mer. Je n'ai qu'à les appeler et ils vont l'apporter. Ou tu veux l'éléphant au barbecue? Je veux appeler mes amis qui vivent au désert. Hein, je peux réaliser tous tes désirs, tu ne vois pas? Même si tu es super aveugle, viens me toucher, tu le ressentiras. Bébé, approche-toi de moi, tu sentiras mon odeur. Tu ne la sens pas? Monsieur, je la sens déjà. S'il vous plaît, puis-je passer l'appel? Ça, ce n'est pas un problème. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je possède tout. Passe ton appel, demande tout ce que tu veux et cela te sera donné. Hein? Je n'ai pas peur de coucher avec une veuve parce que je connais où se trouve son mari. Monsieur? J'ai dit avec du champagne. J'ai dit, je n'ai pas peur de coucher avec une veuve, parce que je connais où se trouve son mari. Tout ce qui concerne l'argent, n'aie pas peur. Passe ton appel. Je vais payer la facture. J'ajoute le poulet. Ajoute la sauce humaine. La sauce humaine. Je vais payer. Ne t'en fais surtout pas. Ici, c'est mon hôtel. J'ai des centaines d'hôtels dans tout le Nigeria. S'il vous plaît, puis-je avoir du riz et du poulet? Deux poulets. Avec du champagne. Oui, oui, deux poulets. Mettez de la salade. Oui. Merci. Merci. D'accord. Je t'aime. J'ai oublié de leur dire chambre 103. Rappelle-les. Hein? Rappelle-les et dis-leur chambre 103. Ok. Ok, oui. Chambre 103. C'est super. C'est super. Au moins, le repas arrivera à destination. Merci. Même si parfois, je sais que tu es un peu perdu, la nourriture ne peut pas se perdre. Parce que vu comme tu ris, vu comme tu souris, comme tu agis, on dirait que tu es perdu. Tu n'as jamais été auparavant avec un homme riche. Pas du tout. Et tu sais, j'ai demandé une fille qui est normale. J'en ai marre de ces filles liposuccées, là. Tout chez elle est opéré, hein. Le popotin est opéré, le ventre opéré, tout est opéré. Je veux une poule du village, hein. Et on me l'a amené. Ah ah. Ah, Boy, tu es encore ici? Laisse-moi te dire la vérité. Rebecca ne reviendra pas, oh. Rebecca ne reviendra pas de sitôt. Comme tu vois là, Rebecca est partie avec un client, oh. Tu me vois dans la rue comme ça parce que je n'ai pas encore trouvé de client. Tu as compris? Bien, merci pour ta gentillesse, mais je vais l'attendre. Je vais attendre. Ça, c'est plus que de l'amour. Mais, en attendant, si tu as besoin de quoi que ce soit, hein, juste informe-moi. Tu comprends? Parce que je suis... Tu sais, Ok, je le ferai si besoin. Merci. Ah. À plus tard. Prends soin de toi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, Rebecca, neuf, dix. Ça, c'est beaucoup trop d'argent. Ma chérie,
Rap, rap. Hey. Attends que je t'aide. Tu as vu ça? Hey. Je n'ai pas besoin de ton aide. Ça, c'est l'argent de la ville, pas l'argent qu'on a au village. Hey. Trois. Ma chérie, le fric, là, est vraiment beaucoup. Calme-toi. Calme-toi. Oh, ma chérie, t'es riche. Je suis fatiguée de compter. Tu es riche. Je suis fatiguée de compter. Hey! C'est Dieu. Laisse-moi prendre un peu de ta grâce. Ah, ne prends pas mes bénédictions. Certains gars ont pris mes bénédictions au village et ils ont fui, mais mon Dieu les a arrêtés. Hey, hey. Ah, cette fille. C'est l'œuvre de mon Dieu. Hey. Hey! Ça, c'est beaucoup trop d'argent. Bien sûr. Beaucoup, vraiment beaucoup d'argent. Là où j'ai eu cet argent, il y en a encore beaucoup plus là-bas. Et je vais prendre encore plus. Je vais continuer à baiser, tourner les reins, donner du plaisir, donner du plaisir, donner du plaisir. Hey. Je suis trop sucrée en bas. Aucun homme ne peut entrer dans mon palais si je le touche comme ça. Si je le touche comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sans qu'il ne décaisse, il va décaisser. Ichoko, Ichoko. Je dois bien me mettre. J'allais oublier. Hein? J'ai vu Aboy aujourd'hui et il a demandé après toi. Et qui est Aboy? Ton copain, bien sûr. On est là à parler d'argent et toi, tu parles de copain? Où est le rapport entre le copain et l'argent? Le copain aide qui dans ce business? Hein? Certains copains m'ont volé, ils ont fui. Ils ont fui se disant que Dieu a arrangé leur vie, mais leur vie s'est gâtée et ils lavent les slips des femmes maintenant. Oh mon Dieu, tu as tellement raison. Tu vois cet argent? Nous devons gagner de l'argent. Pardon, au cas où un homme te demande où est Rebecca, dis-lui que Rebecca est allée où on fabrique de l'argent. Parce que d'où cet argent sort, hein, il y en a encore là-bas. Laisse-moi t'accompagner, non, mon ami. Laisse-moi t'accompagner. Tu vas me piquer mon client. Regarde celui-là, c'est le mec d'une fille, prends-le. C'est quoi ton problème, non? C'est quoi cette malchance? C'est quoi cette malchance? On parle des vrais hommes, et toi tu parles de qui, là? C'est quelle malchance, ça, non? Espèce d'idiot. Qui a mis ça ici? J'ai maintenant un boulot décent. Est-ce que tu es sérieuse? Oui. Oh, viens m'embrasser, mon bébé. Maman, ta fille Rebecca est une nouvelle personne. Hey! J'ai toujours su que tu étais une très bonne fille. Je t'ai très bien éduquée. Hey! Maman. Tu es si belle, tu mets même déjà les vêtements décents. Regarde-moi. Oh mon Dieu,
Tu es si belle. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Entre, entre, entre. Viens ma fille, viens. Mon bébé. Maman, je croyais que tu n'accepterais pas ces provisions. Attends, après avoir lu ceci, pourquoi est-ce que je ne l'accepterais pas? Maman, j'ai eu une promotion à mon boulot. Oh. On me paye bien. On a loué un appartement pour moi. Tu vois les œuvres de Dieu. Alors, je me suis dit, je ne veux pas dépenser cet argent toute seule. Je vais le dépenser avec ma mère. Ça ne peut être que la main de Dieu. Hey, merci, Jésus. Tu es la bienvenue, ma fille. Tu es la bienvenue. Je suis si heureuse. Merci, maman. Écoute, je vais prier pour toi. Seigneur, nous te bénissons. Amen. En fait, nous t'élévons. Amen. Dieu va bénir ton départ et ton arrivée. Amen. Mon Dieu va continuer de t'élever. Amen. Tu seras plus élevé que tes égaux. Amen. Aïe, pour ce changement. Oh Seigneur, je ne sais vraiment pas quoi te dire après cette joie que tu as mis dans mon cœur. Amen. Ah, tu vivras et tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Tout esprit de prostitution, tout esprit de l'amour, de la chair et de l'argent, hey, que le feu te consume au nom de Jésus. Amen. Maman, j'ai mis ces choses à l'intérieur. Et Dieu ne me permettra plus de faire ce genre de business. Regarde tout cet argent. Alors, donc, maintenant tu peux accepter mon argent, c'est ça? Ça, c'est le genre d'argent que j'ai toujours voulu avoir. Ça c'est... Oh, mon Dieu, merci! À l'intérieur. De l'argent propre. Maman, s'il te plaît, j'ai faim. Viens me donner à manger. De l'argent propre. Ça sent tellement bon. Hey, Chineke! Toi, tu es malade. Toi! Laisse-moi te dire ceci. Ces derniers temps, tu me montres des signes que tu n'as jamais été mon ami. Maintenant, tout est confirmé. Tu dis quoi? Mais, merci? Oh, ma chérie, tu es malade, n'est-ce pas? Tu es folle! Chérie, merci, ton cul! En fait, remercie ton cul, il te manque des cases! Pourquoi devrais-je te dire merci? Parce qu'il s'y passait quoi? Je te remercie! Merci parce que t'as emmené une idiote chez moi! Je devrais te remercier! D'avoir emmené une pute enceinte chez moi. Une idiote chez moi. Une pute enceinte et dégoûtante chez moi. Tu l'as emmené chez moi. Tu as emmené une folle qui vient de son quartier. Tu oses me dire de te remercier? Comment ma tension ne va pas grimper? Écoute très bien ce que je vais te dire si tu veux pas que le tonnerre te frappe. Peu importe là où tu te trouves. Prends tes pattes, viens chez moi et viens chercher cette stupide idiote que tu as laissée chez moi. Emmène-la loin de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ne l'as-tu pas emmenée chez toi? Non, non, dis-le-moi. Oui, le roi Salomon, tu es sage, pas vrai? Tu mérites les belles filles pour toi, n'est-ce pas? Ce n'est que toi qui mérites les belles filles. Tu t'envoies chercher des belles filles rien que pour toi. Ensuite, tu me ramènes une idiote déprimée chez moi. Viens la chercher, s'il te plaît. Peu importe même si elle vient du Cameroun ou de la Jamaïque, je m'en fiche. Viens la chercher avant que je ne la déchire. Déchire. Viens la chercher et ramène-la chez toi. Ça, c'est une insulte. C'est une grosse insulte à mon égard. Je ne rigole pas avec toi, meuf. Ma fille, la façon dont tu es pressée de rentrer là, je ne comprends pas. Oh, je n'apprécie pas ça. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas avec moi, juste pour la nuit? Maman, je t'ai dit, je dois repartir. Je ne veux pas que mon patron me renvoie. Personne ne va te renvoyer, mais la prochaine fois. Assure-toi de prendre ton congé avant de venir pour que tu restes plus longtemps avec moi. Ne t'en fais pas. Elle m'a trop manqué. Ma gentille et douce fille que tu es. Maman, ce n'est pas facile pour moi, tu sais. Écoute, je t'ai dit que je vais revenir. La prochaine fois que je viendrai avec ma valise. Et je resterai un mois avec ma mère. Bien parlé, ma chérie. Merci beaucoup, merci.
Je suis vraiment très contente, tu sais. Je suis maintenant une nouvelle personne. Oui, oh. Je suis maintenant sûre que je peux vivre longtemps. Jusqu'à un âge avancé. Tu m'as redonné la vie, ma fille. Bien sûr. Je vais prier pour toi, oh. Et je vais continuer à te donner la vie, Onam. Merci, ma chérie. Tout ce dont j'ai besoin, ce sont tes prières. Ça, c'est mon boulot. Mm. Chaque nuit, je ne dormirai pas. Je prierai pour toi. Amen. Pour ton départ et pour ton arrivée, c'est mon devoir de prier pour toi. Amen, oh. Amen. Comme maman. Tu vas, reviens-moi bien. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Fais un bon voyage, oh. D'accord, maman. Sois sage, hein? D'accord. Hmm. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hey, Seigneur, oh, tu m'as fait tellement de bien. Mamarama. Ah, ma fille. Bye bye, bon voyage. Dieu est avec toi, les anges sont avec toi. Laisse-moi aller manger ma nourriture comme la blanche que je suis. Maman Rebecca! Maman Rebecca! Rebecca! Né Rebecca! 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 J'ai appris que tu es là. Viens ici. Hey, Mazio Keke. C'est toi qui crie ici. Où est ta fille? Où est-elle? Tu feras mieux de lui dire de sortir. Dis-lui de sortir et qu'elle me paie tout ce qu'elle me doit. Ma fille n'est pas ici. Asiocha, tu es une menteuse. J'ai entendu qu'elle est ici. Tu feras mieux de lui dire de venir me rembourser mon argent. Ou sinon... L'enfer se déchaînera sur toi. Mazio Keke, es-tu en train de me menacer? Hein? Pour ta gouverne, tu as donné cet argent à ma fille, volontairement. Elle ne t'a pas forcé. Tu comprends ce que je dis? Dis-moi, est-ce que ma fille t'a forcé? Tu veux dire que j'ai donné à ta fille 500 000 naira? Gratuitement, pourquoi? Que je suis malade? Mais... Elle t'a rendu le service dont tu avais besoin. Ne l'a-t-elle pas fait? Homme sans scrupules, regarde-toi. Un vieux bouc comme toi. Tu es allé à l'hôtel avec une fille qui est encore si jeune et qui pourrait être ta fille. Homme sans scrupules. Je te l'ai déjà dit. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Seulement mon argent, je te mets en garde. Mmh. Si je ne me donne pas mon argent, tu perdras ta maison. Regarde-toi. Telle mère, telle fille. Ah, nous te connaissons dans cette communauté. Tu as fait la même chose et tu as tué ton mari. Tu n'as pas encore léché le sable. Vas-y, lèche encore. Tu veux vendre cette maison. Fous le camp de chez moi. Tu vendras cette maison. Dégage, je t'ai demandé de dégager. J'ai dit dégage. Tu vas voir. Fous le camp. Tu vendras cette maison, je te le jure. Tu vas voir, tu vas voir. Vieux bouc. Que je revois encore tes pattes ici, vieux schnock. Pitié, pardonne-moi. Tu sais que je t'aime. Tu sais à quel point tu me tiens à cœur. Ce qui s'est passé entre nous au village était l'œuvre du diable. Je savais pas ce que je faisais. T'es un mec stupide. Tu me connais. En temps normal, je ne t'aurais jamais volé. Mm-hmm. J'avais l'impression d'être hypnotisé. Et je savais pas ce que je faisais. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu racontes des âneries. Oga, je t'ai fait confiance, mais tu as choisi de me trahir, n'est-ce pas? Hein? Donc, continue. Après tout ce que j'ai fait pour toi à l'époque au village, hein? Je t'ai tout donné. Je t'ai donné mon corps gratuitement, mon minou sacré, sucré en bas, juste pour toi. S'il te plaît, bébé. Juste comme ça, tu as osé me voler, ouah! Et tu veux que je te pardonne? Pitié. Même Dieu, quand nous péchons contre Dieu, tu sais, nous le demandons pardon et il nous pardonne. Hein? Pitié. Mmh. Je te supplie au nom de Dieu. Pardonne-moi. Pitié, je te supplie au nom de Dieu. S'il te plaît, je sais pas comment te le dire autrement. Pitié, et pardonne-moi. Qui est en train de parler de pardon ici? Va travailler l'argent, mec. Arrête de demander pardon. Je ne te pardonnerai pas. Tu n'es qu'un petit paresseux. Tes égos sont là dehors à bosser dur pour remplir leur compte en banque, à dépenser l'argent sur leurs femmes et tu es là à demander pardon? Pourquoi je te pardonnerai quand tu portes des ayons? Hein? À
As-tu de l'argent à dépenser sur Rebecca? Alors que tu sais que je suis sucrée en bas. Tant que j'aurai autant d'argent, je ne ferai pratiquement rien avec toi, monsieur ton chapitre. Et clos. Ma chatte sucrée, écoute, c'est moi. Oui. C'est moi. Tu as raté. Je ne suis pas intéressée. Oh bébé. Mon amour. Que se passe-t-il ici? Rien, mon chéri. Ce n'est personne. Bébé, pitié. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonner quoi? Tu ne vois pas que mon petit ami est là? Hé, petit, c'est quoi ton problème? Tu ne vois pas que je suis là? Pourquoi tu touches mon dos? C'est à toi que je parle. Tu parles à ma meuf. Je parle à ta meuf? Ouais. Pourquoi tu touches mon dos? Ah, ah, c'est quoi? Ok. Tu ne me connais pas. Lobette, tu vas voir. Lobette. Écoute, Chima, sérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, je ne comprends pas pourquoi tu nous traites comme tu le fais depuis que Rebecca est entrée dans cette maison. Ok, c'est d'accord. Je veux que tu nous dises maintenant, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal? T'avons-nous déjà offensé dans cette maison? Pourquoi nous traites-tu de la sorte? Je ne sais pas. Oui, qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce qu'elle a? Est-elle plus sexy ou meilleure au lit que toutes les deux? Qu'est-ce qui cloche sur toi? Pourquoi tu agis comme un homme envoûté? Elle t'a donné un truc à manger. Peut-être. Écoutez, ne vous me prenez surtout pas. Ne vous trompez pas. Rebecca est de très loin meilleure que vous deux. Oui, c'est vrai. Elle me donnait beaucoup d'amour. Elle prenait soin de moi. Elle me donnait de l'argent. Et par-dessus tout, elle est très bonne. Elle est très douée. Elle sait comment me satisfaire. Elle me donne du sexe sans rien me demander en retour. Rien de matériel. Mais vous deux, tout ce que vous voulez, c'est mon argent. Alors, Chima, ce que tu veux me dire maintenant, c'est que tout ce temps où tu touchais mes seins comme tu le voulais, tout ce temps où tu touchais mes fesses comme tu le voulais, hey, tout ce temps où tu caressais mon corps comme tu le voulais, tu ne nous as jamais aimés. Hey, Chima. Donc tu n'avais aucun sentiment pour nous alors que tu nous touchais. Laisse gars. Chima. Tu es tellement ridicule. Écoutez, arrêtez de jouer la victime. Arrêtez de jouer la victime parce que c'est moi la victime ici. Est-ce que vous m'avez aimé? N'est-ce pas l'argent que vous vouliez? Maintenant que j'ai gaspillé tout l'argent avec vous, qu'est-ce qu'il en reste? Laissez-moi respirer. Jay, ce gars est méchant. Je n'ai même plus rien à te dire. Je n'ai plus rien à te dire. Désolé. Ne vous fâchez pas. En fait, tout ce que j'ai dit, c'est du passé, d'accord? Ne soyez pas fâchés. Écoutez, je suis prêt à faire tout ce qui est possible pour récupérer ma Rebecca. Eh? Oui. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des idées sur comment je peux la récupérer? Vous voyez, des conseils, oui, des conseils de filles, vous voyez? Tu es vraiment malade. Tu es vraiment cinglé. Tu es vraiment cinglé. Viens prendre. Que l'amour te tue. Mougou. Sale. Écoutez, arrêtez d'être jalouse. Juste quelques conseils. Des conseils. Hein? Ne sois pas méchant, juste quelques conseils. C'est pas assez compliqué. Juste des conseils pour la récupérer. Oh, Gaëtan. C'était quoi ce spectacle? Pourquoi agis-tu comme si on avait une relation? Ah. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Alors, on est donc quoi? Oh, gars, je ne suis dans aucune relation avec toi. On ne fait que s'amuser, oh. On ne fait que s'amuser. Non. Ah, tu ne peux pas dire qu'on est juste en train de s'amuser. Mais non, je suis tombé amoureux de toi. Donc, on ne s'amuse pas du tout. Je vais être l'homme de ta vie. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dessus? C'est là qu'il y a un problème, oh. C'est là
qu'il y a un problème. Parce que cette Rebecca n'est intéressée par aucune relation. Rebecca appartient à la rue. Tout homme qui vient, je le baise. Plus vite, tu comprendras ça. Oga, le mieux pour toi. Je comprenais toutes ces conditions avant. Mais plus maintenant que je suis tombé amoureux de toi, ok? Hey. Écoute, je veux que tu saches que je ne peux pas vivre sans toi. J'aime tout ce qui te concerne. Je ne peux pas vivre sans toi. Comprends ce fait, arrête, s'il te plaît. Arrête, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tu veux me contrôler, n'est-ce pas? Donc que j'aille chercher l'argent, je viens te donner. Je ne suis la meuf de personne. Tu ne peux pas me faire ça, pas maintenant que j'ai perdu Jessica. Pourquoi tu rigoles? Tu m'as fait perdre Jessica. C'est ça? Come se volando in casa e poi pore. O qua che se me qua mon o mané. E belle wungio. Cam que to che ne megi. Che ne che che me. Ένα ποτσάρα μπω, με μόμου να μπασέμπω. Τσοκό μπαγκάλα τσέγεγγι. Ο κουάγκα πάνε πήγαινε πόλη μπουά. Ο κουάγκα σε μάλλη πόνο κουάλα ομπάναγε. Ο μάνα πούνε ρουγγι. Comme côté de Mimégui. Seigneur, je t'invoque, Père. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas moi l'auteur. Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole. Oh, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi. Je t'implore, Chukwu Odike. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas moi l'auteur. Seigneur, c'est ta parole. Tu as dit, demandez et il vous sera donné. Seigneur, tu as dit, cherchez et vous trouverez. Seigneur, tu as dit, frappez. Frappez et l'on vous ouvrira. Je suis venu frapper à la porte de ta miséricorde pour te demander, Seigneur. Cette femme, ma fille l'embête. Père, bénis-la. Père, pourvoi à ses besoins. Elle s'est souvenue de moi, je sais qu'au moins, pour le peu que je mange, elle m'aide souvent à mettre un repas sur ma table. Père, bénis-la, accorde-lui tes grâces. Père, bénis-la pour moi. Bénis ma fille. Bénis mon fils Tchekoubé. Père, accorde de l'aide à Tchekoubé. Seigneur, tu connais mon cœur. Réponds-moi. Père, je n'ai pas assez de force pour beaucoup prier. Mon Dieu, tu connais mon cœur. Réponds-moi selon les désirs de mon cœur. Je t'en supplie. Je t'en prie. Je t'en supplie.
Je t'en supplie, Seigneur, je t'en prie. Mon ami, je ne comprends pas ce garrot. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Mais sérieusement, tu dois te calmer. Tu dois te calmer et parler de tout ça avec lui. On n'a rien du tout à se dire. On n'a rien du tout à se dire. Mais tu sais pourquoi je te dis toutes ces choses? Parce que tu sais qu'en temps normal, ce genre de mec est raro. Maintenant, réponds-moi, quel homme peut te voir dans une maison close et encore t'aimer et ensuite passer son temps à te suivre partout et veut te prendre comme petite amie? Combien d'hommes feraient ce genre de chérie, choses? Chérie, tout homme qui vient dans une maison de pute ou qui veut une pute pour petite amie est un gigolo. Aïe. Il veut que la pute le nourrisse. Et moi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas dépenser mon argent sur un gars. Donc, il a raté son coup. Tu as fini avec. Mais sérieux, la façon dont je vois ce gars faire... Il a raté son coup. Je jure, il ne peut pas te laisser avoir un client aujourd'hui. Hein? Parce que je vais te dire la vérité. Ce gars est prêt à bagarrer haut. Hein? Hein? Tu ne vois pas son regard? Je vais lui montrer que j'ai la folie pure en moi. Non, tu me connais, non? Non, 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 non. Ah, tu n'as pas besoin de crier. Hey, Aboy! Aboy! Aboy, c'est quoi ton problème? Pourquoi me suis-tu partout comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Hein? C'est quel genre de folie, ça? Je te la retourne, ta question. Parce que si quelqu'un a des atomes de folie en lui, c'est bien toi. Aboy, c'est arrivé à ce niveau où toi, tu m'insultes? Donc tu as le toupet de m'insulter maintenant, c'est ça? Bébé, je t'aime. Je veux que tu me comprennes. Hein? Ok, en passant, réfléchis à ça. Si quelque chose de mal t'arrivait, hein? Et si tu attrapais une maladie mortelle, que se passerait-il, bébé? Je t'aime, moi. Où est ton problème? Si j'attrape une maladie, c'est ton problème? Tu vois les problèmes? Si j'attrape une maladie, c'est ton problème? Ma sœur, doucement. Ah, ah, écoute, si c'est mon argent que tu veux, je ne dépenserai pas mon argent sur toi, oh. Je ne suis pas une sugar mommy. Je ne suis pas Jessica qui dépense l'argent sur les hommes. Tu penses qu'elle est une sugar mommy? Je ne suis pas une sugar mommy. Oh. Calme-toi. Si tu cherches une meuf qui va s'occuper de toi, mon frère... Tu ne peux pas, je vais te dire, je vais te dire un truc. Je te conseille, tu ferais mieux d'aller trouver autre chose à faire. Cherche quelque chose de profitable à faire. Bébé, si je n'ai pas aujourd'hui, j'aurai demain. Pardon, dégage. Comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et je veux que tu sois cette grande femme dans ma vie. Je ne suis pas cette femme, ok? Il est très dégage. Drôle. Toi aussi, calme-toi. Ah, ma puce, une mouche n'a jamais souffert comme toi. Ça. Une mouche ne souffre pas comme Circule. Ça. C'est quoi suivre une femme partout comme ça? Regarde ses fesses, ses grosses fesses immobiles. Va chercher des clients pour aujourd'hui. Pétasse. Ça te fait mal? Va chercher ça des clients, pétasse. Ma puce, ce gars est un gros malade. Je te dis, oh, il n'a même pas honte. Je travaille ce et il me suit. Je travaille et il me suit. J'essaie même d'aider ce gars, mais il gâche tout. Comment il peut suivre quelqu'un comme ça? Ton boulot, c'est mon boulot. Je n'arrive tu n'es pas à le comprendre. Et il est sérieux. Une femme bossée, il veut venir manger son argent. Hey, Aboy, laisse-moi tranquille. Oh. Laisse-moi tranquille. Bébé, laisse-moi tranquille. Mec de prostituée. Où est-ce que tu vas? Hey! Hey! Laisse-moi tranquille. Hey! Laisse-moi, Aboy. Tu n'as pas honte de suivre. Mec de prostituée. Aboy, laisse-moi tranquille. Je la laisse tranquille. Dégage. Oh, si ah, te mêle pas de ça. Va te mêle pas de ça. Qu'est-ce qui te prend même? Mec de prostituée. Laisse-la tranquille. Laisse-moi, je t'ai dit de me laisser. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ne m'approche plus. Pourquoi ne m'approche plus comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je te préviens. Laisse-le aussi tranquille, non? Je te préviens. Te mêle pas de ça, tu m'entends? Dégage. Rebecca, dis à ce garçon de te laisser, non? Hey! Pardon, allons travailler. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Arrête, ce n'est pas toi qui dis que t'es sucré au milieu. Quand je veux jouir du milieu, tu me dis que tu refuses. Qui va me donner la joie?
Hein? Je t'aime. Je ne t'aime pas, Rebecca. Je ne t'aime pas. Avançons un peu. Toi-même, écoute, regarde. Bébé. Ce gars veut nous distraire. Cours. Va avec ta malchance. Jessica, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma sœur, je ne comprends pas. J'ai dû t'appeler parce que tu es mon ami. Tu es la seule personne en qui je peux me confier. Je ne sais pas ce qui m'arrive subitement. Depuis quatre jours, je ne suis pas moi-même. Mon corps, mes démanches, j'ai aussi des odeurs, des pertes malodorantes sortant de mon vagin. C'est cette odeur qui sort de mes parties intimes. Jessica, tu dois aller à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont fait tous les examens possibles. Certainement, les résultats sont tous sortis négatifs. Jessica, ils ont dit qu'il n'est... Et qu'est-ce que le docteur a dit? Les résultats sont négatifs. Ils m'ont dit... Je suspecte cette idiote camerounaise qui m'a lancé cette maladie. Mais c'est possible qu'elle ait utilisé mes tissus pour me faire quelque chose. Comment expliquer les odeurs et démangeaisons de mes parties génitaux? Non, Jessica, tu n'as pas allé dans cette direction. Tu ne penses pas que c'est... Ça ne peut pas être elle. Écoute. Si c'est pas elle, alors c'est l'un de ces mecs avec qui j'ai couché. Ils m'ont fait quelque chose. Ils m'ont utilisé pour faire une pelle. Jessica, j'ai besoin que tu te calmes, s'il te plaît. Juste calme-toi, d'accord? Écoute, on va s'occuper de toi. Tu vas guérir, Jessica. Jessica, s'il te plaît. Directeur, je veux que tu vires la fille qui était de service ce jour. Oui, le jour où on m'a volé. Oui, y compris le portier. Oui, vire-moi ces deux-là et recrute de nouvelles personnes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais beaucoup de personnes cherchent du travail au Nigeria, non? Recrute juste une personne. Je n'ai pas oublié le générateur dont tu m'as parlé. J'en ai demandé un autre. Il sera livré la semaine prochaine. D'accord. Assure-toi de virer les deux gens-là. Recrute de nouvelles personnes. Je ne veux plus perdre des choses qui m'appartiennent. Je ne veux plus voir cette fille. Coucou. Monsieur, merci. Je te rappelle plus tard. Attends. Mais je t'ai demandé d'attendre, non? J'ai dit que je partais. Monsieur, je te rappelle. Mais je te dis d'attendre. Je parle. Tu entends ce que tu as dit, non? Tu parles français, n'est-ce pas? Je t'ai compris. Je te dis de revenir. Tu sais que je suis sucrée en bas et je te rends heureux. Je ne t'ai jamais dit que tu es ta mère en bas. Je t'ai dit de revenir. Viens, laisse-moi te dire un truc. Oui, j'ai une loi ici. Toute fille qui couche avec moi doit être fouillée avant de partir. Ah? Oui, il n'y a d'exception pour personne. Oh, oui. Mais je ne suis pas une voleuse, non? Je n'ai pas dit que tu en aies une. J'ai dit toute fille qui couche avec moi. C'est-à-dire qu'il passe la nuit avec moi dans cet hôtel. Smart,
Oui, boss. Mais c'est quoi ton problème? Monsieur, je... Laisse-les venir. Mais c'est quoi ton problème? Smart. Boss. Voyons. Ah, super. Super. Quel était ton montant? J'ai oublié, monsieur. Tu ne t'en souviens plus? Oui, monsieur. Oui, on a convenu à 100 000. Même si je sais que tu ne vaux pas cet argent, je connais ta valeur. Ce que tu as souvent comme argent, c'est 5 000. Tu venais souvent dans cet hôtel avant. Mais oui, je te connais très bien. Jusqu'au matin, tu reçois 10 000 naira. Je connais le genre de fille qu'on paye, 5 000 naira. Tu n'as pas fait de l'imposition. C'est pour ça que ton ventre est toujours gros. Les filles que je paye 5 000 sont celles qui ont de l'imposition. Qui se sont faites opérer. Je sais que tu n'as fait aucune opération. Hein? Ton prix, c'est 5 000. Jusqu'au matin, pour toi, c'est 10 000. J'ai décidé de te donner 5 000 naira juste parce que je vais t'aider. Après avoir été avec moi, tu vas commencer un petit business. Oui, donc, pas de problème. On a convenu de 100 000 naira. Et j'ai décidé de te donner 150 000 naira. On se comprend? Monsieur, je ne suis pas une voleuse. Tu sais que je suis sucrée. Oui, je n'ai jamais dit que tu es un Miramba. Je t'ai très bien servi. C'est super. Je te respecte pour ça. Tu t'es battu et c'est pour ça que je t'ai donné 150 000 naira. Mais j'ai une loi ici. Avant de partir, tu dois être fouillé. Ce n'est pas seulement toi. Je l'ai fait à plusieurs filles. Tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne. C'est la loi qui prévaut dans cet hôtel. Toute fille qui couche avec moi doit être fouillée. Smart. Fais ton boulot, prends son sac. Tu vas fouiller? Excuse-moi. Tu vas vraiment fouiller? Je t'ai dit de lui donner ton sac, n'est-ce pas? Hein? Donnez-moi je le sac. Je t'ai dit de lui donner ton sac. J'ai déjà donné. Hein? Je voulais juste me rassurer. C'est très bien. Garde un œil sur elle. Smart, souviens-toi, hein? Je lui ai donné 150 000. 50? 100? Voilà ce que je lui ai donné. Mais boss, il y a plus d'argent il ici. Il y a encore l'argent? Je n'ai pas dit que je pars, je voulais juste... Il y a encore l'argent là-dedans. Fais sortir ça. Voilà 200 000. Voilà 250 000. Voilà 300. 350. Boss, il y a aussi des dollars. Dollars? Tu as volé mes dollars? Monsieur, c'est une erreur. Tu as volé mes dollars? Je vais t'expliquer. Smart. Boss. Je suis fini. Laisse-la d'abord. Fouille le sac. Ah! Même votre montre en or. Non, ça ne peut pas être ma montre. C'est votre montre, boss. Ça ne peut pas être ma montre. Ça ne peut pas être ma montre. 24 carats d'or. Jamais, maman. Smart. Ce n'est pas possible. Maman, non, mais 24 carats d'or. Fini. Voilà 24 carats d'or. Maman. Avant de voler mon argent, tu as aussi volé ma montre. Maman, je suis. Mais 24 carats d'or. Smart, mets la plat ventre. Je demande. Allez, tu es la sacrifiée. Tu es la sacrifiée. Mets la plat ventre. Smart, monsieur, je te dis de la mettre à plat ventre. Je sais. Monsieur, je vais te délivrer du démon maintenant. Non. Je vais te délivrer du démon maintenant. Je suis une femme, monsieur. Pardon. Je sais que tu es une femme. Je n'ai jamais dit que tu étais un homme. Je vais te délivrer maintenant. Je vais te délivrer. Monsieur, je n'ai pas volé l'argent. Monsieur, je suis une femme. Tu es. Tu es malade. Tu voles mon argent. Tu voles mon ventre. Dans ta prochaine vie, tu ne voudras plus. Dans ta prochaine vie, tu ne voudras plus. Tu ne voudras plus. Quelle journée fatigante. Ah. Mon Dieu, quelle journée. Qui est là, s'il vous plaît, donnez-moi l'eau fraîche. Peggy! Cynthia! Qui est là, s'il vous plaît, apportez-moi de l'eau. Que j'entends. C'est pas vrai. Ces filles ont organisé une orgie dans ma maison. Eh oui. Qu'est-ce que je ne comprends pas. Chima, dans mon lit, sur mon lit, bande de folles, je vais gérer votre cas. Chima, toi, tu veux me faire honte dans cette maison, c'est ça? Tu veux,
Tu veux... Pourquoi tu... Va dans ta chambre, range tes choses et sors de chez moi. Ici, c'est ma maison, ce n'est pas ta maison. Allez, où? C'est ma maison, je t'ai permis de rester ici pour pouvoir t'aider. Je ne savais pas que tu avais planifié un jeu mortel. Hein? Tu m'as, tu sors de ma maison. Tu sors de ma maison, tu retournes au village, tu appartiens. Tu n'habiteras plus ici. Tu m'as... Arrêtez quoi? Je te calme. Je te calme pour que mon bâton se calme. Hein? Tu m'as... Arrête ça. Tu veux me tuer? Laurie, va-t'en. Je n'irai nulle part. Tu vas partir de cette maison. Tu vas partir de cette maison. Tu vas partir. Tu n'as aucun respect pour moi. Suis mon lit. Je viens coucher avec les filles. Suis mon lit. Suis mon lit, Tuma. Tu vas partir. C'est-tu... Pour moi, c'est supportable. Ils m'ont utilisé pour des rituels. J'ai été utilisé pour des rituels. Quelqu'un m'a sacrifié dans des rituels. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Oui. Smart. Oui, boss. Ramène-moi cette stupide fille. D'accord, boss. Allons-y. Boss. Monsieur, je suis désolée. Pitié, je vous supplie au nom de Dieu. J'ai réalisé mon erreur. Ça n'arrivera plus jamais. Pitié, pardonnez-moi, monsieur. La Bible dit, pardonnez aux autres. Pitié. Satan sait citer la Bible. Tu me demandes de te pardonner. Je ne te pardonnerai pas. Je prie depuis pour un jour pareil. Le jour où je vais montrer le feu à quelqu'un. À cause de ce qu'une fille m'a fait. Elle a volé tous mes documents. Elle m'a fait perdre des contrats valant plusieurs millions de naira. Maintenant, tu demandes pardon? Monsieur... Tu l'as sacrifié. Monsieur, ayez pitié de moi et de ma pauvre mère. Je suis le seul enfant de ma mère. Pitié, elle n'a pas un autre enfant. Si quelque chose m'arrive, ma mère va mourir. Pas de problème. Elle ne mourra pas. Parce qu'elle ne saura même pas que tu es morte. Oui, elle ne mourra pas. Tu vas disparaître. Personne ne saura jamais où tu es. Je vais te donner à manger à mes chiens. Hein? Oui, mes chiens vont se nourrir de toi. Je vais te donner à mes chiens. Mais si je meurs, ma mère va mourir. Je sais. Mes chiens vont se nourrir de toi. Dans ta prochaine vie, quand tu vas te réincarner, si un truc pareil existe, tu apprendras à éviter les choses d'autrui. Oui, tu ne voleras plus. Tu ne prendras plus ce qui ne t'appartient pas. Monsieur, ce n'est pas bien de tuer les gens. Mais oui, mes chiens vont bien te manger. Tu es bien tendu. Mes chiens vont bien manger. Je vais te donner à mes chiens. S'il te plaît, ne touche plus mes pieds. Monsieur. Ne touche plus mes pieds. Si tu touches encore à mes pieds, ça c'est un second crime. Je ne vous toucherai plus. Ne touche plus mes pieds, s'il Pardon, te plaît. Pardon, je veux si juste... Si tu touches encore à mes pieds, je ne veux même pas remettre tes os à ta famille pour enterrer. Si tu touches encore à mes pieds, ne touche plus mes pieds. Je fais tout ça pour ma mère. C'est je vous super, en supplie, c'est je super. Viens d'une famille très pauvre. C'est juste pour la nourrir. Et tu voles les autres. Très bien, et tu voles les autres. Pauvre famille. Smart. Oui, boss. S'il te plaît, amène-la. Je ne me suis pas douchée depuis hier. Depuis 3 à 4 jours, je ne me suis pas douchée, monsieur. Pardon, aidez-moi. Tu parles de la vie? Regarde-toi. Quelqu'un qui ne sait même pas si elle va vivre ou mourir. Mais toi, tu parles de la vie.
Tu sais si tu vas survivre? Hein? Allons-y. Hey, hey, Jessica et Bourhan, oh mon Dieu, pitié de moi, Seigneur, pardon, je ne veux plus faire ça. Hey, mon Dieu, je t'en prie, pardonne-moi et accepte-moi comme ton enfant. Hey, hey, oh mon Dieu, pitié pour tout ce que j'ai fait dans le passé, pour mon mari dans le futur, pardonne-moi et oublie. Mon Dieu, pardonne-moi et oublie. Mon Dieu, pardonne-moi et oublie. Mon Dieu, pardonne et oublie. Seigneur, je te demande pardon. Peu importe ce que j'ai fait contre toi, en pensée, en parole, en acte, pas consciemment ou inconsciemment, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Je te promets, je vais changer. Et mon Dieu, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus vivre cette vie. Je ne vais plus vivre cette vie. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardon. Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne vais plus me prostituer, je ne vais plus aller vers les hommes. Je vais changer, mon Dieu, je vais changer de vie. Je t'en prie, Seigneur. Tchoukoubé, je suis rentrée. Tchoukoubé. Tchoukoubé, c'est moi. C'est moi. Grande sœur, je suis désolé. Tu ne peux pas entrer. Pourquoi? Tu dois attendre là. Oui. Pousse-toi de là. Ça m'a appris à saluer. Maman. Maman. Maman, pourquoi la porte est fermée? Pourquoi la porte est fermée? Mais pourquoi elle ne veut pas me répondre? Maman! Maman! C'est moi, je suis rentrée! Maman! Maman! Elle est sortie. Maman. Ouvre ta bouche et parle. Où est-elle, non? Je suis désolée, grande sœur. Maman est partie. Elle est sortie. Maman. Comme elle est sortie, toi tu restes là à froncer le visage. Hein? Où est-elle partie? Comtesse, qu'elle revient. Réponds-moi. Mais que veux-tu que je te dise d'autre, grande sœur? Je t'ai dit que maman n'est plus là. Maman est morte. Tu as compris? Maman est morte. Regarde-moi! Regarde-moi! Ne rigole pas avec moi! Comme tu peux le voir, je ne suis pas en état de rigoler! Grande sœur, si je voulais blaguer avec toi, est-ce que je devais utiliser ce genre de mensonge pour te déranger? Non, c'est avec ce genre de choses que tu veux que je blague! Grande sœur, je ne suis vraiment pas d'humeur. Laisse-moi tranquille. Tchoukoubé, es-tu sérieux? Tchoukoubé, maman!
ma mère, pas ma mère, pas ma mère. Maman, je suis là, je suis là, je suis là, maman. Écoute, respecte-toi. Si ce verre tombe, ce que je vais te faire, hein, tu vas regretter toute ta vie de m'avoir volé. Le mec le plus riche de la Malaisie. Le mec le plus riche de la Malaisie. Le friqué. Hé, hey, le Richard. Le mec le plus riche de Jakarta. Udo. Non, viens, 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 viens. Viens, viens. Allons, allons-y. Allons-y. On y va. Allez. J'ai très peur. J'ai très peur. Otoko Anasuna, bien. Mon frère. Mon frère. Vas-y, vas-y. Allez, allez, viens. Le mec qui commande. Et ça s'accomplit. Mon pote. Viens. Viens, viens. Mon frère. Allez, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ok? Pardonnez-moi, ce n'est pas moi qui ai volé votre argent. C'est mon amie, Jessica. Pitié! Ton ami et toi souffrirez dans cette ville. Je rendrai la vie très insupportable pour vous deux. Oui, je suis Udo, le mec le plus riche de Jakarta. Le mec le plus riche de toute la Malaisie. Mon frère. Ne me touche pas, ne me touche pas. Allez, dégage, ne me touche pas. Tu es malade. Monsieur, je vous en prie. Ne me touche pas. Mon frère, puis-je te parler en privé? Ne me touche pas, je te dis de ne plus me toucher. Mon frère, si tu touches quelqu'un, tes sales pattes là. Frérot, puis-je te parler brièvement? S'il te plaît, mec, viens, s'il te plaît. Et arrête, ne me touche plus. Tu es folle? Non, monsieur. Ne me touche plus jamais. Frérot, viens, s'il te plaît, je vais te parler rapidement. Monsieur, je vous en supplie. Tu t'as demandé de t'asseoir. Allez, lâche-toi, viens. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie. Allez, franchement, écoute, viens. Écoute, je dis bien, si j'entends encore un bruit, je dis bien un bruit dans cet hôtel, les gens dorment. Si j'entends encore un seul bruit ici, ce que je vous ferai toutes les deux. Allez, mec, allez, viens, viens. Viens, frérot. Laisse-les et viens, on y va. Mon frère, je constate que tu es fâché. Et tu as tout à fait raison. Je veux dire, je comprends que tu sois vraiment, vraiment fâché. Et tu as tout le droit d'être en colère. Ta colère est justifiée. Mais tu vois, cette nana n'est pas celle qui a volé ton argent. Je ne m'en fiche pas mal. Oui, je ne m'en fiche pas mal. Je ferai de ces deux vies des sacrifiés. Voyons, voyons. Dans leur prochaine vie, elles sauront quel genre d'amis choisir. Ce n'est pas nécessaire, mais... Oui. On ne répare pas une injustice par une autre. Je comprends, mais écoute, tu ne peux pas laisser tomber cette histoire. Tu peux régler cette histoire d'une autre façon, et pas comme ça. Non. Tu as tout compris, je ne les pardonnerai jamais. Comme elle dérange les autres depuis, pas moi. Hein? Udo Dedeko. Voyons, hein? Voyons, voyons. Hein? Udo Dedeko, Osopurinieko 1. Je sais. Mon frère, cette fille m'a fait perdre beaucoup d'argent, plusieurs millions. Laisse-les s'en aller, laisse-les partir, je t'en supplie. Non, je ne peux pas. Je ne les laisserai jamais partir, je les donnerai à mes chiens. Non, tu ne peux pas faire ça. Mec, voyons, tu ne peux pas faire ça. Allez-y, voyons, mec, tu ne peux pas faire ça. Écoute, écoute, Udo, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas le faire. Réfléchis pour une seconde. Allez, avance. Udo, écoute. Je t'en prie, pense-y, frérot. Réfléchis. Allez, avancez. Tu ne peux pas te rendre justice toi-même. Mais je peux mon argent lui-même. Ce n'est pas juste. Je peux voler mon argent lui-même. Non, mec, je voyons. Je peux me rendre justice moi-même. Voyons. Je veux que tu me montres où on a enterré maman.
Là où maman est enterrée. Oui, maman, sa tombe. Grande sœur, maman m'a fait jurer de ne pas te montrer sa tombe. Hein? Ouais, elle m'a fait jurer de ne jamais te montrer sa tombe. Mais pourquoi? Pourquoi? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi où on l'a enterré. Dis-moi. Ok. Ok. Je peux passer un petit coup de fil à ton téléphone? Un petit coup de fil? Oui. Un très court appel. Je ne serai pas longue au téléphone. Un appel bref? Oui. Tiens. Merci beaucoup. Merci. Mais je n'ai pas d'unité. Oui. S'il te plaît, fonce-en, fonce-en, allez! S'il te plaît, prends ton dernier appel avant ta misérable mort. Allez, décroche, idiote. Edo? Ma mère est morte. Quoi? Ma mère est morte. Qui c'était? Mon ami, juste tout à fait, sa mère. Oh mon Dieu. Laquelle de tes amies? Jessica. Jessica, la fille qui a volé mon argent, donne-moi ce téléphone. Jessica. Oui, je sais que tu m'entends. Oui, je rendrai la vie insupportable pour toi. Ce n'est que le début de tes problèmes. Oui, je vais te faire payer, crois-moi, je vais te faire payer. Écoute mes paroles. Jusqu'à ce que tu meurs, je ferai payer. Prends ton téléphone. Écoute, écoute, attends, une seconde, juste une seconde, avant que tu fasses ce que tu veux. Écoute-moi juste pour une seconde, s'il te plaît, je t'en prie, une seconde, s'il te plaît, je t'en prie, juste une seconde, s'il te plaît. Allez. Si l'une de vous deux tente de s'échapper, si l'une de vous deux tente de s'échapper. Allez, mon frère, viens, je t'en prie, viens une seconde, s'il te plaît, viens. Je t'en prie, viens. À genoux, idiote. Je vais te dire la vérité. Tu vois cette fille là-bas? Cette meuf, je suis amoureux d'elle. Et j'aimerais l'épouser. Tu es fou? Bien sûr que je le suis. T'as perdu la boule? Absolument. Si c'est pour elle, oui, je le suis. Tu n'es pas normal. Quand un homme est amoureux, il est prêt à faire des folies. Pour sauver celle qu'il aime. Et c'est le moment dans ma vie où je dois faire ce qui est bien. Et tu dois aussi penser à ce qui est bien. Voyons, Ben, voyons. Lucky. Oui. Lucky. Lucky. Voyons, pense-y. Lucky. Écoute, fais ça pour moi, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lucky? Ah, c'est juste très chanceux. Mais qu'est-ce qui arrive à mon ami? Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Lucky? Merci beaucoup, mon pote. Écoute, mec, je cherche cette fille depuis très, très, très longtemps. Et maintenant que je l'ai trouvée, je ne peux pas la laisser me filer une fois de plus entre les doigts. Je suis amoureux, frangin. Je suis amoureux d'elle.
Voyons, mec. Allez, sois heureux pour moi. C'est quoi? Viens alors. Je t'ai dit que si tu n'as pas d'argent, on ne m'appelle plus. Tu regarde, ne comprends pas? Je suis jolie. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ce gars. Ne m'appelle plus jamais, tu n'as pas entendu? Salut les filles. Hey, quoi de neuf? Comment tu vas? Le beau gosse. Comment allez-vous? C'est top. Bien. Ok, je suis à la recherche de Rebecca. Je ne la vois pas, donc vous savez où elle est? Eh bien, bon, tu sais qu'on ne vit plus chez Lovette. D'accord. Et même avant qu'on ne parte de chez Lovette, Rebecca avait disparu. Personne ne sait où elle se trouve. Donc tu très dangereux. Savoir quoi? Je ne sais pas où elle est et aucune d'entre vous ne peut me dire où elle est passée. Donc vous ignorez même la dernière adresse où elle est partie. Écoute, mon frère, mon ami, tu vois ce travail qu'on effectue comme ça? C'est dangereux. Tu le sais, non? Chacun s'occupe de soi. Quand personne ne m'envoie en route, c'est comme ça que je ne rentre aussi avec personne. Je ne sais pas si tu comprends. Donc personne ne demande les nouvelles de personne. Tu comprends? Écoute, bon gosse, je vais te dire la vraie vérité. Je vais te dire, Rebecca est peut-être tombée dans les griffes d'un ritualiste. Dieu l'en préserve. On ne risque plus la voir, que Dieu la garde. Je parle seulement, on ne risque plus la voir. Parce que notre boulot aussi n'est pas facile. Ce boulot n'est pas facile, Lo. Je te dis, mon ami, monsieur, je suis jolie. Viens, viens voir. Mais la vérité, c'est qu'on est obligé de faire ce qu'on fait pour avoir de l'argent. Parce qu'on doit se faire de l'argent. Obligé. N'importe comment. Ça, c'est la simple raison pour laquelle on a quitté notre pays pour cet endroit. La seule raison pour laquelle nous sommes venus ici, c'est pour se faire de l'argent. Le fric. Alors, peu importe combien c'est risqué, mec, on va toujours sortir pour se faire de l'argent. C'est bon, je dois y aller maintenant. On se voit plus tard, les filles, d'accord? Ça dit quoi? Comme Rebecca n'est pas là, tu peux toujours nous faire la fête. Tu sais que je suis une tigresse. Paulino, hein? Il faut me prendre. Tu le sais, non? Comme ta meuf n'est pas là, on peut te consoler. Il ne le sait pas. Mon petit cul balance. On va te faire du bien. Comme Rebecca n'est pas là, viens t'aider. Prostituée, laisse-moi tranquille. Cherche tes clients en paix. Odo, le mec le plus riche. Le mec le plus riche, le plus friqué, le Richard de toute l'Indonésie. C'est moi et personne d'autre. Le Richard de tous les temps. Il dit, gomé, humbe. À moi, na, boy, boy. On a moi, on a. Je sais. C'est moi. Le mec le plus riche, le plus friqué de l'Indonésie. C'est bien moi et personne d'autre. Mon pote. Je sais que tu es fâché et ta colère est justifiée. Mais tu vois, cette fille en question n'est pas celle qui a volé ton fric, mais... Je m'en fiche pas mal, frère. Oui, je dis je m'en contrefiche. Que ce soit elle ou pas, je ferai d'elle une sacrifiée. Oui. Moi, la laisser partir, écoute ce que tu dis. Que je la laisse partir. Parce que ce n'est pas ton argent qu'on a volé. Que je la laisse et j'oublie mon fric comme ça. Que je la laisse partir, mon frère. Non, je ne peux pas. Voyons, mec. Non. Si elle se joue des autres hommes... Moi, Udo, elle ne peut pas se jouer de moi. Oui, je leur ferai payer cher. Udo Dedego 1, Mannadie. Toi-même, tu vois, je ne peux pas les laisser s'en tirer comme ça. Pas après toutes les pertes que j'ai eues. J'ai perdu trop d'argent et mes documents. Donc quelqu'un doit payer. Mais tu ne dois pas te venger sur cette fille. Tu ne dois pas régler cette histoire de cette façon, mec. À moins que tu décides de la laisser pour rendre ton frère. Mon frère, je vais devenir diabolique. S'il y a quelque chose de diabolique pour leur faire payer, je le ferai. Je serai même plus que diabolique. Rassure-toi, mon frère. Tout ce qui est plus que diabolique, je le ferai. Pour me rassurer, n'est-ce pas, que cette fille paye pour ce qu'elle a fait. Ce que cette fille m'a fait est insupportable. Je ne peux pas supporter ça. Écoute, mec. Calme-toi. Je vais lui faire comprendre que ça, c'est la vraie réalité. Cette fille m'a volé comme dans un rêve. Une fille que je voulais aider dans la vie. Elle ose me voler. Je ne peux pas la laisser comme ça. Ma mère est morte.
Elle est morte sans même me donner une chance pour que je puisse m'excuser. Elle est morte. Non. Je suis sûre que je suis dans ces conditions parce qu'elle m'avait maudit. Non, Jessica, non. Je suis désolée de la mort de ta mère. Maman n'est en aucun cas la cause de ta maladie ou des Jeké Gossé. Souviens-toi que tu as volé sa mallette. Oui. Oh mon Dieu, je le savais. Je savais que cette condition était spirituelle. Dans quoi est-ce que je me suis fourrée? Qu'est-ce que j'ai fait? Jessica, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de se donner des blâmes. Je te conseillerais d'aller le rencontrer. Excuse-toi auprès de lui. Oui, oh. Ah. Ah. Ma sœur, c'est la seule option que tu aies. Si tu sais que tu aimes et tu chéris ta personne. Hein? Je suis désolée pour ta maladie. Je suis désolée. Vraiment navré pour la mort de ta mère. Merci. Fais ce qu'on te dit. C'est la seule option qu'il te reste, ma sœur. J'ai affaire. J'ai des coups de fil à passer. Je reviens. C'est ton ami. Reste. Je vais appeler, pardon. J'arrive. Jessica. Dans quoi je me suis fourrée? Je suis vraiment désolée. Oui. Vous vous en allez? Jessica, j'arrive. Jessica. Vous venez d'arriver. Autant mon frère. J'aimerais utiliser tes contacts pour faire entrer 20 conteneurs. 50. Je sais que t'en es capable, mon pote. Mon cher pote. Bien sûr que c'est vrai. Dis-moi, c'est pour ça que tu parles lentement. Tu parles comme si tu ignores qui je suis, frère. Udo. Tu sais que je suis Odogo, hein? Udo! Mon frère, c'est du menu fretin pour moi. Udo! Tu sais que je n'ai peur de personne. Diego! J'ai tout dit, mon frère. Je suis parmi les plus riches de ce pays. Hein? Mon pote. J'ai toutes les monnaies, mon frère. Mes affaires. Hein? Mes multiples hôtels. Me donnent de l'argent chaque jour. Mon frère, tu peux me croire, hein? Je suis pas à 20 conteneurs près. Okay. Les gens doutent de moi, hein? On dirait que j'ai fait des rituels d'argent. Udo, je soupçonne même que. Hé! Attendez là-bas! Si vous avancez d'un poil, je pète vos cerveaux! Udo, attends! Attends, mec! Rentrons! Vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Il faut qu'on rentre. Sortons d'ici! Udo, attends! Udo, calme-toi! Udo, si vous bougez d'un poil, je vous explose la tête. Si vous bougez d'un poil, je vous explose la cervelle. Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, ce que je t'ai fait est irrévocable. Personne ne peut te guérir. Tu n'as encore rien vu. Ce n'est que le début. Ton vagin sent mauvais. Super, tu peux aller mourir. Va mourir, tu ne savais pas qui tu avais affaire. Oui. Udo, calme-toi. T'as volé mon argent, je ne l'ai pas. Cher monsieur, ne te mêle pas de ça. Ne te mêle pas de ça. Ok, d'accord. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Ok. Elle a volé mon fric, je ne blague pas avec mon pognon. Mes documents. Je t'en prie, Udo. Cette chaîne m'a paralysé, je ne peux plus aller nulle part. Mon passeport et tout. Elle a volé mon passeport. Du calme. Mes connaissances et tout. Toute ma vie, frère. Tu me connais. Je t'en prie. Je ne suis pas un homme de la technologie. Je suis de la vieille école. Cette pétasse a osé me paralyser. Calme-toi. En fait, mec, je t'en prie. Personne ne va te guérir. Calme. Va mourir. Tue-moi comme ça, je mourrai. Cette douleur est insupportable. Que tu es?
Non, mais qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Je ne te tuerai pas. Va mourir. Calme-toi. Finis de fermer mon portail. Merci, monsieur. Merci, partez, je vous en prie. Partez, partez. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez? Non, aidez mon ami. Aidez qui? Aidez vous rendre. Partez maintenant. Il va pas nous supplier. Si mon monsieur, si vous deux reviens ici, il va vous buter. Toi et toi. Allez-vous-en maintenant. Monsieur. Ok. Udo. Je vous en prie. Viens le supplier. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Viens le supplier, non? Regarde pas, regarde pas. Au lieu de le supplier. Au lieu de le supplier. Je m'en vais, oh. Supplions-le. Peut-être qu'il peut changer d'avis. Partons. Pourquoi non? Au lieu d'ouvrir ta bouche et supplier, tu dis, s'il veut te tuer, qu'il te tue. Tu veux mourir. Hein? Jessica, tu vois comment tu sens mauvais? Regarde-toi. Pourquoi non? Regarde-toi. Donc tu veux mourir? Hein? Donc tu veux mourir? Moi, je fais de mon mieux. Cet homme m'a enfermé ici chez lui pendant des jours. J'ai survécu. Je m'en vais, il n'y a plus rien que je puisse faire. Partons. J'ai fait ce que je pouvais. Moi, je m'en vais, oh. Je m'en vais. S'il te plaît, je reviens plus ici. Je ne veux pas. Reviens, qu'on voit ce qu'on peut faire. Ouvrez sa bouche et suppliez, la dépasse. Que je revienne, oh. Je reviens. Rebecca, s'il te plaît, reviens. Money with the final, I know it's in the good talk. Now I go with the final.